Dans cette maison, quelque part à la campagne, de fortes personnalités se sont retrouvées pour 24 heures de partage. Ici, personne n'entendra crier, hein. C'est comme Alien. Hein. Kad Merad et Olivier Barou, KDO pour les intimes. Le fameux duo s'est transformé pour l'occasion en un véritable quatuor grâce à la chanteuse Natacha Saint-Pierre et à l'un des plus grands cuisiniers du monde, Marc Vera. C'est pas le vrai Marc Vera. Enlève ce chapeau. Un quatuor donc, capable de jouer la même partition, quel que soit le registre et les instruments. Oh Marc, du Brésil, futebol, anel. Oh là là, dis-moi, Marc Vera au Brésil, c'est énorme. C'est le Ronaldo de la cuisine, alors. L'humour irrésistible de KDO pour accompagner la cuisine audacieuse de Marc Vera, le tout relevé par la présence lumineuse de Natacha Saint-Pierre et son sens inné de l'amitié. T'as jamais parlé de sexe avec tes parents ? Avec mon père, ma mère ? Évidemment, lorsqu'on joue ensemble, il faut savoir s'écouter. Mon père me dit la chose suivante. Décidément, tu feras toujours honte à la famille. Oh putain. Il faut aussi savoir improviser. Ce soir, je mange un carré d'agneau sans les os. Carré d'agneau. Et tenter l'aventure jusqu'au bout de la nuit. Mais moi, je me sens en sécurité dans la forêt la nuit. En fait. Mais te ferme ta gueule. 24 heures jubilatoires, comme quoi les plus belles rencontres restent celles qui sont inattendues. Mais pour le moment, le jour se lève sur une journée particulière. À cet instant précis, nos quatre invités ignorent tout de ce qui les attend. Waouh, c'est joli, pas hein. Vas-y, on promise. Oh la vache. Ouais. Attends. Oh la vache. Attends. Fais gaffe à la corde. C'est pas simple, hein, dans l'histoire. Bouge pas. Non, c'est bon. Tu mets là. Mais non, mais ça... Ça tangue. Vas-y. Stabilise-toi. Mets-toi là-bas. Stabilise. T'as la main verte aussi, toi, d'ailleurs. C'est bon. On arrive. Ce serait la maison du bonheur. Même à foudroyer, je suis preneur. Et là où on va, je sais pas. C'est joli, non? Ouais, c'est chouette. Bonjour, il y a quelqu'un? Alors, c'est mystérieux cet accueil, t'as vu? C'est là qu'il y a de la lumière. C'est marrant parce que... C'est vraiment découverte du lieu, non, c'est ça? Ah, il n'y a personne. Hein. Ah, c'est vraiment la petite maison. Ah, c'est minuit, quand même. Il y a une batterie, il y a des instruments. Oh, merde. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah, elle est chouette, cette maison, dis donc. Bon, elle est super sympa, chouette. Hein. Ah, il y a d'autres gens, je crois. Il y a d'autres gens? J'ai l'impression. Il y a quelqu'un? Ah bah si, il y a un mot, putain. Il y a un mot. Merde. Salut à tous, mille excuses pour mon retard. Je vous laisse profiter de la maison. Je vais finir de préparer une surprise pour ce soir. Faites comme chez vous, Fred. Fred. PS, rasez-vous. Intégralement. Bizarre. Faire du bien. Hier encore. Mais on attend du monde, c'est ça? Je comprends rien, moi. Attends, monsieur Lopez. Mais non. Mais si. Mais y a pas d'autres gens avec nous? Comment ça va? Ça, c'est une sacrée rencontre. Quelle hein. Surprise. Ça fait plaisir. Oh, c'est magnifique, ce lieu. Hein. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Bien sûr. Bah... Qu'est-ce que c'est beau. Mais vous êtes pas trop dépaysé. Ben oui. Moi, c'est toute ma vie, ça. Regarde le lamier. C'est plein de lamiers. You know, when I was a little boy, I was up, you know. Oh, man! Ah, à mon avis.
ça y est, je vois. J'ai reconnu d'ici sa silhouette. C'est un cuisinier, c'est un chef. Ah, d'accord, ok. C'est un chef. Et Marc Vera. Ouais. Il a son chapeau. Putain, mais il a tout. Ah, oui, il arrive avec Lopez. Hello. Nous, on a fait à l'envers, nous. Ah, mais ça. Il me semblait qu'il y avait que des gourmands. Ça fait plaisir de vous voir ensemble. Bah oui, bah, tu sais, on est toujours ensemble. Non, mais là... pas devant les caméras en général. C'est ça. Mais on est tout le temps ensemble. Alors, Marc, peut-être vous voulez y aller. Allez. Attention. Ça va aller. Vous aviez arrêté. Vous avez pas. Je me suis amusé. Mais vous avez pas arrêté à un moment donné? Bah, j'ai eu un accident. Et ça va? Ça va mieux? Bah oui. Ah, d'accord. Désolé, en plus de ne pas avoir été là, j'ai préparé une petite surprise pour ce soir. C'est-à-dire qu'elle va vous faire plaisir. Une surprise pour ce soir. J'attends parce qu'on est-ce que ça commence par un F et ça finit par un S? Qu'est-ce que ça peut être? Des filles. Ah, des filles. Non, mais il y en a une qui arrive là. C'est vrai? Oui. Ah. Oh là là. Attends. Je sais si vous avez un peu faim. Ah, c'est gentil ça. Magnifique. Il est bien ce gars. Il est bien. On va décider ce qu'on mange ce soir. Alors qu'est-ce que... Voilà la fille. Oh, ce sourire. Elle a un sourire, cette fille, regarde ça. On commence par voir son sourire avant de... voir... avant de la voir, elle. Natacha Saint-Pierre. Natacha. Natacha. Regarde. Natacha. On va accueillir Natacha. Attends, on va en parler après, Marc. Comment ça va? Ça va super bien. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, la vache. Assortie à ton écharpe. Attention, c'est là. J'ai tout fait dans le... Merci, les garçons. Ouh, je suis contente que tu es là. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Écoute, tu connais pas bien Olivier, mon mari? Non, on s'est croisés, je crois. Qu'est-ce que je fais de votre valise, madame? Je l'amène dans votre chambre. Je sais pas, vous avez l'air bien parti. Alors, on a un petit livre d'or à l'hôtel. Marc Vera, Natacha Saint-Pierre. Oui, je vous connais de renom, mais je ne vous connais pas personnellement. Natacha. Est-ce qu'on peut tout de suite se tutoyer? Ah ouais, mais ça, c'est... Ouais. Ah, j'ai eu du mal, hein, mais... Comme vous voulez. Parce que je suis canadienne et je vais merder à ce Ah, c'est ça, un accent, je me disais. Mais c'est merde, elle a un défaut, je sais pas comment lui dire. Alors, moi, je vous demande si ça vous dit, c'est un symbole, évidemment. Hein. Ah, une quête, déjà. Ah, bah voilà. Ah, bah tiens. Si, alors, elle n'est pas arrivée que déjà, il faut mettre des sous. Ah, bah voilà. Ah, c'est pas ça. Donc, dans 24 heures, vous voulez débarrasser de vos portables, c'est maintenant. Ah, les portables. Moi, ouais, je n'ai pas de portable. J'ai pas de portable. Ok, je veux bien, mais avant, j'envoie un message à mon mec. J'ai pas de portable. C'est vrai? Ouais, en vrai, vous n'avez pas de portable. Bah non, si, je l'ai pas pris. Ah bon? J'ai pas pris. C'est un acte politique de pas avoir. Non, je sais. Je l'appelle, je lui dis que je m'en débarrasse pendant 24 heures. Moi, je l'ai dans mes affaires, donc je te le donnerai tout à l'heure. Après, c'est bon. Pourquoi? C'est une résistance ou bien? Quand t'es en week-end, en général, t'as toujours un lien. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de. Non, on peut couper le téléphone 24 heures. Il suffit de le couper, oui. Mais je vais à l'instant me débarrasser de mon portable pour 24 heures. Il est en mode avion, là. Voilà. Ok. Elle est avec moi, c'est pour ça. Hein? Tu veux me le passer, je vais lui expliquer. C'est gentil, il y a Cad qui veut te parler, je te le passe. Attends, c'est... Tu te souviens, vous êtes vus au resto? Ah merde, je le connais en plus. Bon, mais je te fais plein de gros comment bisous, occupe-toi bien de soi, allez, repose-toi. Il doit raquer et tout. Ciao. Il a raison. Comment il s'appelle? Greg. Il est pompier. Greg. Ouais. Greg, bah oui. Allô, Greg. Alors, ne t'inquiète pas, Greg. On a 24 heures, voilà. En fait, c'est Jack Bauer, voilà. C'est Jack Bauer. Et je peux te dire que ces événements se déroulent entre... En temps réel. Occupe-toi bien de Swad. C'est Swad? Swell. De Swell. C'est un chien? Un chat. J'ai peur, imagine-moi, c'est notre fils. C'est un chat, d'accord. J'avais une chance sur deux de vraiment d'être très, très, très mal poli. Bon, on s'occupe bien de Natacha. Ici, personne n'entendra crier. Hein. C'est comme Alien, hein, ici. Hein. Oh non. Bon, salut Greg. On t'embrasse. Ouais, t'inquiète pas, tout va bien. Ciao. Alors, je le ferme. Alors, vous savez pourquoi vous êtes là? Alors, pas du tout. Moi, on m'a dit, tu déposes Olivier. il va passer une journée, il va faire la pêche. Et voilà. Et je dois repartir, moi. Non, c'est pas ça? En fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est que vous avez tous des histoires assez... des itinéraires hallucinants. Chacun, les uns et les autres. KDO. Bon, ce qui me fascine dans vos parcours, c'est qu'on a comme ça une image de loin, plutôt sympathique, un capital sympathie dans tous les cas. Mais on se demande, ben voilà, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Ce que j'ai découvert finalement en m'intéressant à vos parcours, c'est qu'il y avait un point commun. Il y en a un qui grandit à Caen, l'autre qui grandit en banlieue parisienne. À l'école, c'est pas super, super. Ah, mais pas contre, du tout super. Mais ce qui est fou, c'est que les deux ont le même sentiment très tôt qu'ils vont avoir un destin particulier. Mmh. Ouais. Et ah ouais
Et c'est assez fou. Ouais, ouais. Mais adolescent. À l'âge de 10 ans. Ouais, 10 ans, à 10 ans, quoi. C'est que la question, c'était, vous rêviez d'être clown ou d'avoir une vie différente, mais vous ne saviez pas comment ça allait se passer. Non. Et vous ne saviez pas que vous alliez vous rencontrer un jour à 9h du matin, on n'en dit pas plus, mais 9h du matin, votre destin allait basculer. On va en parler, ça c'est incroyable. Et alors dans votre cas, on pourrait dire que ce n'est pas vous qui avez choisi la chanson, c'est la chanson qui vous a choisi. Pas du tout. Oh, la vache. Et sans en dire plus, vous avez suivi la vague, hein, mais une vague tellement déferlante qu'elle aurait pu vous ensevelir. Elle a failli, je pense qu'elle m'a eu jusqu'à la taille. Ouais. Donc beaucoup tu n'avais pas choisi. Ouais, une chance. Tu n'avais pas choisi. Pas du tout, mon rêve c'était d'être infirmière ou sportive de haut niveau. C'est dingue. Non mais c'est dingue. Ouais. Et comment est-ce qu'on devient Marc Vera? Je peux juste dire en deux mots, c'est que l'adolescent, lorsqu'il était adolescent, était viré de l'école hôtelière. Son père lui dit, tu seras toujours la honte de la famille. Ouais. Sa mère a dit, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et il a été le premier homme dans l'histoire de l'humanité à obtenir 20 sur 20 au Goemio. Mais c'est toujours comme ça, hein. Et donc, c'est des histoires. Comment on fait ça? Comment on souvent, devient... C'est souvent, les surdoués ont du mal à l'école. Je pense qu'on a tous des électrons libres, en fait. Hein. On a besoin de liberté. Hein. On va essayer de comprendre, en tout cas, comment on devient... On peut manger ou pas? Bien sûr, mangeons. Mais ça se fait de manger en même temps. Et si on allait en boîte ce soir? En boîte dans le coin? Mais il n'y a pas de boîte, on est au milieu de la forêt. Il y a une boîte de nuit dans le coin. Non. J'habitais dans le coin, moi. Je connais une boîte dans le coin, si vous voulez, on fait ça ce soir. C'est possible ou pas? C'est comme vous voulez. Moi, j'avais une autre proposition, je ne sais pas si c'est compatible. C'est qu'en fait, j'allais vous proposer d'aller dans la forêt, parce qu'il paraît qu'on peut encore écouter le brame du cerf. J'habite en forêt, moi. C'est un cri d'amour, c'est... Voilà, c'est... Et c'est beau. Mais c'est surtout... C'est beau. J'ai l'impression d'être dans Jurassic Park. C'est comme si t'étais, comme s'il y avait des animaux que tu ne connaissais pas. Parce que c'est très impressionnant. Ça vibre, ça fait vibrer les maisons. C'est très près de l'aboiement. Hein. Ça fait peur. Mais si, ça fait vibrer. Il y a des failles dans le sol qui s'ouvrent avec de la lave. Moi, je vous propose de... Donc oui, évidemment, dans ces 24 heures, on va manger. Et donc, moi, j'aime bien l'idée que les invités préparent à manger. Avec Marc Vera, est-ce que vous vous sentez ou est-ce que c'est intimidant ou est-ce On peut faire son assistant. Moi, je veux bien bosser pour le petit déjeuner avec du sirop d'érable, je gère. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui osent faire la cuisine à côté de vous? C'est impossible. Bien sûr, non. Vraiment? Bien sûr. Tu sais, la cuisine, c'est un acte d'amour. Hein. Vous nous aimez déjà? Mais non, mais il faut aimer les autres. Et là, j'ai vraiment envie de cuisiner avec vous. C'est vrai? Voilà, c'est tout. La moi, cuisine, je veux bien essayer. Tu sais, la plus belle des cuisines, c'est la cuisine de famille. Tu sais, une salade bien acheté avec des tomates, partagé avec les enfants. C'est la plus belle des cuisines. C'est toi qui tu nous proposes quelque chose ou est-ce qu'on peut te moi, je veux qu'il y qu'est-ce qu'on a envie de manger? Est-ce qu'on peut dévoiler le menu ou pas? Allons-y, vous savez. Ah, c'est toi qui le. Vous avez déjà prévu tout. Alors, qu'est-ce qu'on mange? On va faire un petit œuf. Un petit œuf de caille pochée avec du sucre. Et on va ramasser de l'oxalis. C'est l'oxalis, c'est l'oseille préférée des chevreuils. Donc l'œuf est poché dans le sucre, dans ce goût un peu sucré. Et à l'intérieur, on fait une piqûre d'oxalis. Donc on a chacun sa seringue. Et on pique l'intérieur du jaune pour exciter l'œuf, mais c'est presque astringent. Il y a ce mariage des deux, cet équilibrage des deux qui est très intéressant. Puis après, il y a un carré d'agneau. Alors c'est le carré d'agneau. Carré d'agneau, c'est ce que j'aime. Et quand vous allez fermer les yeux et que vous allez manger le carré d'agneau, eh bien vous allez déguster la viande, mais surtout, vous allez être aromatisé par la forêt. Vous allez fermer les yeux, vous êtes dedans. Hein. Et ça marche. C'est accompagné de quelque chose? Oui, chef. J'ai fait une purée. J'ai fait à la maison. La purée n'est pas terminée. D'accord. On l'a terminée ensemble. Ah, une purée. Ce que c'est qu'une... ça, la purée, moi. Ouais, une purée à la truffe. Ouais. Ça, c'est super bon. Ça, je kiffe. Et puis voilà. Ah ouais, ça va être délicieux, dites donc, ce qu'on va manger là. Manger ça, du sapin? Ouais, tu vas voir. Mais il est dingue. Ah, c'est du sapin bleu. On va surtout manger ça, tu vois. Et ça, tu l'as trouvé où? Chez moi, je le ramène de Manigo. Ça, c'est du week-end, ça. Ouais. La mousse. Oh, la mousse. Justement, l'avantage, c'est qu'on a cette mousse, tu l'as trouvé où? Il faut faire... Sans la mousse. Ça sent la vraie forêt, hein. Mm-hmm. Ça sent la mousse. T'as vu ça? Et vous on dirait qu'il a découpé des bouts de tronc d'arbre. Non, c'est pas possible. Ça, c'est intéressant. C'est quoi? Ça, c'est l'oxalis. Octalis. L'oxalis. Ah, c'est ça. C'est l'herbe oxalis préférée des chevreuils lorsque les torrents sont à sec. Alors, regarde, regarde cette forme de cœur, c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau. Voilà. Ouais. Et en plus, si tu dégustes l'oxalis sous ta molaire, vas-y. Sous la molaire? C'est de l'oseille sauvage, tu la croques sous la molaire, c'est de l'oseille sauvage. Grave. Voilà. C'est un goût... Tiens, bouge pas, je la prépare. En fait, on mange la racine, pas la feuille. Mais tu manges de l'oseille sauvage.
Jamais de la vie, j'aurais pensé manger ça. On va manger ça? Non, ça, ça aromatise. Ouais, mais on va pas manger ça. Si, mais tu vas, on va prendre toute la quintessence, on va faire un jus, ça va être rapide. Ah oui, d'accord. On va faire un jus. Et une réduction. Tu sais, c'est ce qu'on appelle. Je suis scotché. C'est ce qu'on appelle la cuisine minérale. Voilà. Enfin, parce qu'en Marc, ce que tu ne dis pas, c'est que c'est la première fois que tu vas faire ça de ta vie. Donc, on est les premiers à goûter du sapin et de la mousse. Ouais, je suis sûr que c'est très bon, moi. Ça, en même temps, ça peut servir de toupet aussi pour des gens qui. Non, mais c'est vrai, regarde. Non, mais je vais l'essayer pour voir. Je veux que des problèmes de capillarité. Voilà. Ah, voilà. Coupe ta frange un peu. Tu vois? Oui, bien sûr, ça te va tout de suite. Est-ce que c'est pas un. Tu me rappelles quelqu'un? Oui, mais ça donne envie de jouer au golf tout de suite. Moi, ce que je vous propose là, je voudrais vous faire découvrir mon endroit préféré de la maison. Ouais. Les toilettes. Les popos. Commence pas à me brancher sur les maths parce que là. Non, non, mais non, c'est pas les maths, tes tables, tu les connais ou pas? C'est pareil, les tables, c'est les maths. Mais non, mais ça, c'est le seul truc que je connais par cœur. C'est vrai? Ouais. Alors, table de multiplication, on va voir si vous avez. De toute façon, j'ai que les tables, j'ai pas les solutions, là. Donc. Mais... Voilà, alors allons-y. Moi, je les connais par cœur, normalement, je vais m'implanter. 5 fois 9. 45. Très bien. 7 fois 8. 56. 7 fois 8, 56. 4 fois 8. 24. 32. Pourquoi tu m'as dit ma réponse? C'est même pas ça. C'est même pas 32. Ça. T'as failli dire 24 en plus, c'est marrant. Mais j'ai lu dans ta tête. 8 fois 8. Pourquoi moi? Oublie que je suis là. Je suis ton ami invisible, d'accord? Cad. Je suis là, mais je suis pas là. Cad. 2 fois 4. 2 fois 4, 49. Ouais, c'est bon. 8 fois 8. 76. Très bien. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand vous faites le table de multiplication, il suffit d'avoir un peu d'assurance. Toujours. Et on n'a pas le temps de vérifier. Bien sûr. C'est comme quand tu te fais arrêter votre ceinture. Ben, je l'avais, monsieur l'agent. Oui. Si tu te dis je l'avais, je l'ai mis. C'est toujours pareil. C'est la façon dont tu le dis qui fait qu'on te croit ou te croit pas. Non, tu es d'accord? Parce que quand tu te fais embaucher, c'est pareil. Vous avez votre bac? Bien sûr. Mais c'est le. Oui, bien sûr. Enfin, quelle question. Voilà. Vous avez quel âge? 28 ans. Et là, la dame, elle fait bien sûr. Non, mais c'est tout est comme ça, non? Ouais. Comment vous vous sentez dans cet endroit de la maison? Moi, je me sens super bien. En plus, j'ai trouvé un petit chat, et quand j'étais petite, j'ai adopté tous les chats que je cachais dans la cave chez nous. Et mon père se faisait attaquer des fois. Et du coup, je me sens comme chez moi. Vous, Kat, c'est Ris-Orangis, c'est dans la banlieue parisienne? À partir de 8 ans. D'accord. Donc, c'est l'enfance. Parce qu'avant, c'est la Loire, c'est la région de Saint-Étienne. Et après, la banlieue parisienne, Ris-Orangis, donc 30 km de Paris. Papa ouvrier? Papa, à ce moment-là, plus, puisqu'on est à Paris, c'est que maintenant, il est dans les bureaux, maintenant. Donc, papa, directeur, cadre. Papa, cadre. D'accord. Papa, cacadre. Maman, chanteuse. Non, mais, papa, cadre. Papa, cadre. Ouais. Non, mais sérieux. Ouais. Avant, ouvrier, ouais. À l'époque de la Loire, Saint-Étienne, donc, blouse bleue, contre-mètre, tu vois, les machins, les wagons, tout ça. Carrière assez exemplaire, hein. Faut bien le dire, mon papa, tiens, que voilà, c'est marrant, ça. Devant mon papa, là. Ah oui, voilà. Vous balancez les photos, d'accord. Ça, c'est Mohamed. Meilleur, ton papa. Ouais, il est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est mon père. Et après, cadre à Paris, donc mutation, donc bureau, donc banlieue. D'accord. Et voilà. C'est parce qu'il était cadre qui était appelé cadre ou pas? Voilà, exactement. Donc, quand il est devenu cadre, qu'il m'a appelé cadre. Vous avez envoyé une formule. Avant, je m'appelais ouvri. Vous avez employé une formule magnifique. Vous dites, j'étais beurichon, maman berrichonne, papa algérien. Ouais, c'est vrai. 4 enfants. Et voilà. Ça, c'est vous. Très heureux déjà. Extraordinaire. Ah oui, c'est marrant. C'est... Moi, alors, mon frère, alors que ma maman à droite, ouais. Qui est à genoux en train de faire caca, là, tu vois. Arrête, toi, non. Bon, ça va, je rigole. Ma maman, ouais. Janine Béguin. Les garçons, c'est des potes de mon père. On faisait un michoui, là.
On est dehors, ouais. On faisait un michoui. Regarde, on est habillés tous pareil avec en mes frères. En cravate pour le michoui. Ouais, ouais, ouais. Ah, et c'est classe, hein, tu sais. Et alors, mon frère Reda, à côté de ma maman, à côté un monsieur. Là, c'est moi, avec les bottes blanches. On a ouais. Et l'autre, mon autre frère Karim, qui est avec le monsieur à gauche, voilà. C'est l'un de Karim, on le reconnaît. Il n'y a pas ma sœur encore, elle n'est pas née, je crois. Vous êtes le plus petit au milieu, Karim, ça moi, je suis le petit, voilà. Tu ne te reconnais pas, avec mais Karim, les grandes bottes blanches. Quelle place vous avez dans la famille à ce moment-là? Quelle place? Ah, le petit bébé pourri gâté, je suis sûr. Non, pas du tout, pas du tout. Pourri gâté, pas du tout. Chez nous, pas du tout. Mais là, on n'est pas pourri gâté. On a le minimum, j'ai envie de dire, sans tomber dans le misérable. Mais c'est vrai qu'on a peu de choses. À Noël, on a un jouet. Moi, je me rappelle du tir au pigeon, moi. Ouais. On vivait dans une petite maison. Enfin, tout est voilà. Mais très heureux. Et malgré un père très sévère, voilà, une éducation très très dur, très strict. Pas de câlin, mais dans les yeux, ouais. Quelque chose qui... Un défi permanent. Incroyable. Attention, la vie, c'est dur. Ouais. Donc... C'est ça que vous ouais. entendez. Ouais, 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 ouais. Mais ça fait peur, ça. Ouais, ça fait peur, ouais. Mais donc, quand on est enfant... Oui, mais on est insouciant et immortel. Rien ne peut nous arriver, voilà. Ouais. On joue. Il y a des images de vous exceptionnelles. Vous avez 7 ans, je crois. Ah bon? On les regarde. Il y a 7 ans. Des images de moi de 7 ans, c'est pas possible. Mais même moi, je les ai pas. Ah la vache, ouais. Là, c'est maman, ouais, bien sûr. Voilà, en train de faire le con toujours. Moi, ouais, j'étais ça, voilà, tout le temps. Tu danses bien. C'est vrai. Chouette. Ça, c'est ma sœur, voilà. Voilà Mina. Mon grand frère, Karim. D'ailleurs, voilà. Le charme, évidemment. Voilà la famille. Vous êtes beau. Ouais, vous êtes sage, ouais. Vous êtes sage, non? Très sage, mais parce que, je te dis, on est à la baguette, quoi. Ouais, mais il me semble qu'il y a la discipline, là. Ah, c'est très, très... Ça, c'est mon chien Pollux, il s'appelle. On avait un griffon. J'ai eu tout le temps des chiens, moi. Et je l'adorais, regarde ça. Mon père qui dirige la caméra, tu sais. Mon père qui dit à ma mère, plus haut, fais attention, je te jure. C'est vrai? Ah, c'est dingue. Des petits détails. Il mettait en scène les films de famille, mon père, et regarde. Voilà, tu vois ce qu'il fait, mon père? Voilà une famille très cadrée, quoi. Ça filait droit, et en même temps, beaucoup de liberté, beaucoup de... On a eu tout ce qu'on voulait en même temps, il n'y avait pas de... Cadré, mais c'est un enfant qui ose mentir quand même un peu. Ah bah oui, heureusement. Non, mais c'est ça, vous auriez obligé, bah, pour pas prendre trop de tabouane. Alors, vous falsifiez vos bulletins, c'est quoi cette image? Pff, ouais, c'est terrible de dire ça. Quand mon père, il a appris ça, il y a pas très longtemps, puisque, évidemment, quand tu commences à faire des émissions où on fouille ton passé, et là, t'es obligé de dire, bah oui, j'ai fait ça, j'ai conduit sans permis la voiture de maman. Comment? Et sur mon père, il redevenait le père. Quoi? Limite, il va te coucher, quoi. Papa, j'ai 45 ans. Bah, je m'en fous. Je te dirai pas d'histoire. Et oui, mais falsifier... Parce que vraiment, j'avais des notes terribles. J'étais pas un mauvais élève. J'étais un très mauvais élève, mais très sympathique. Donc, j'aimais bien t'étais l'école. T'étais pas méchant. J'étais un cancre sympathique, comme disaient les profs, mais parce que j'aimais bien l'école, parce qu'il y avait un public. C'est aussi simple que ça. C'est un peu cliché, mais l'école, c'est quand même un public. Tu fais le con, les gens rigolent, tu fais rire tes camarades, tu fais rire tes instituts ou tes institutrices ou instituteurs. Et comme à la fin, il fallait ramener un bulletin à la maison, et que mon père, je te jure que c'est vrai, mon père, il nous mettait des raclées, quoi. Il y en avait un martinet à la maison, non? Oh. Oui, mais j'en discute avec mon père aujourd'hui, on en parle, et il me dit, bah oui, c'était comme ça. C'est l'époque. Puis c'était pour éviter de faire des conneries, il fallait qu'on craigne nos parents pour éviter d'aller faire les cons, quoi. C'est comme ça, c'est une époque. Vous, à l'école, c'est pareil, vous êtes le même genre d'élève, en fait, c'est-à-dire? Bah ouais, je foutais rien, quoi. Alors, rien. Pour l'exemple qu'on est en train de donner à la jeunesse. Ah non, mais c'est horrible, quoi. Mais après, c'est toujours pareil. Moi, je critique pas non plus. Faut pas toujours critiquer les profs et tout, mais voilà, ils ont pas... Si vous donnez envie. Deux, trois profs comme ça, qui dans leur œil, on comprenait que, voilà, on pouvait faire quelque chose. Les autres, c'était pas possible, quoi. Vous êtes à Caen, en Normandie. Vous êtes fils unique. Oui. Vous grandissez surtout avec votre maman. Oui. Votre papa, vous le voyez pas souvent. Non. Et donc, quel genre d'enfant vous êtes, en fait, quand vous avez 10 ans, par exemple? Je suis gâté par ma mère, gâté par mes grands-parents, je suis entouré, je suis fils unique, je suis voilà, une sorte de petite chose qu'il faut protéger, etc. Donc, je n'ai absolument aucun souci, quoi. Je veux dire, j'ai une... À part l'école. Voilà, j'ai des potes, j'ai un vélo, j'ai un petit train, j'ai des cadeaux à Noël, je suis entouré, j'ai des cousins, C'est super, quoi. J'ai une vie, une enfance heureuse. Franchement, une enfance heureuse. À part l'école, voilà, qui m'angoisse, quoi, et qui me... Ah, ça que je veux savoir, parce qu'on pourrait penser que c'est cancre et insouciant. Non, il y a de l'angoisse. Ouais, non, il y a de l'angoisse, parce que ça n'avance pas, ça ne bouge pas, quoi. Ça ne progresse pas. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Franchement, je suis mal parti, quoi. Je suis retombé sur mes bulletins de CM2, CM1, CM2. Là, dernièrement, ma fille les a retrouvés, mais...
Mais c'est pas possible, mais c'est mais travail insuffisant, ne fait rien, ne fera jamais rien. Il y a des, injonctions comme ça. Ah oui, mais bien sûr. Il y a des adultes qui écrivent ça. Mais bien sûr, mais qui vous pourrissent, qui te. Ouais. C'est tes parents qui sont inquiets ou toi? Mes parents sont inquiets. Mais mes parents, en même temps. Ma mère est issue d'un milieu ouvrier et elle a travaillé manuellement et toute sa vie, etc. Donc, elle fait quoi, votre maman ? Elle s'occupait d'enfants dans une maternelle. Donc, c'est une aide maternelle, en fait. Donc, elle se dit, bah voilà, mon fils ne va pas faire de grandes études, donc il va trouver un métier manuel. Elle n'était pas plus inquiète que ça, finalement. C'est Simone ? Ouais, c'est ma mère. Ouais. C'est Simone et Olivier, c'est marrant. Trop beau. Avec l'exercice. Ils n'ont pas tellement changé, en fait. Non. Et avec une bière, c'est une bière qui est à droite, ça ou quoi ? Ouais. Ah, bah, bon. Non, il y avait mon père qui était là. Ah. Il n'est pas sur la photo, mais mon père était là. Ah, d'accord. Et donc, elle est, finalement, elle n'est pas trop inquiète. Elle se dit, c'était une Mais vous, qu'est-ce qui vous angoisse, enfant ? Parce qu'un enfant pense à son avenir. Moi, je sentais que je c'est pas que j'avais un destin, c'est pas ça, c'est trop prétentieux de dire ça, genre, je vais devenir président de la République. Mais je sentais que j'allais avoir une vie différente des autres copains, des autres enfants, et je sais pas, cette fibre artistique qu'elle était en moi, mais je savais pas du tout l'exprimer. Et je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Je savais pertinemment que je pouvais pas me retrouver, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais à faire un travail... normal, de commun, enfin, c'est même pas commun, mais... Parce que là, on est sur les œufs. Répétitif, tu vois, je ne m'imaginais pas faire un travail répétitif. Aller au bureau tous les jours, grandir, faire la même chose, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix. Et qui font ce métier répétitif, et qui auraient bien aimé faire autre chose, moi, j'ai eu la chance que ma mère me laisse faire autre chose, voilà. Et qui vous soutienne. Elle soutient, oui. Mais vous rêvez de quoi, l'un et l'autre, à ce moment-là? Moi, je crois que je rêve déjà d'une vie d'artiste, quoi. Clown. Je ne sais pas si on peut se dire que c'est possible, en fait, quand on est petit et qu'on voit ça de... Ça reste abstrait, quand même, ce métier. Ça reste vraiment abstrait. On se dit, mais c'est... Surtout que tu n'es pas de ce métier-là, tu n'es pas issu de ce métier-là. Et qu'on ne connaît personne. Et combien de fois, d'ailleurs, nous, quand on croise des gens, des jeunes ou même d'autres gens qui, dans les tournées provinces, quand on rencontre le public, en fait, la première question, c'est comment on fait ? Comment on fait pour devenir acteur, voilà. Comment on fait ? Et là, on ne sait absolument pas. Et on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas quoi répondre, si ce n'est... Nous, on répond toujours à la même chose, c'est travailler. Y croire aussi. Y croire, bien sûr, et travailler. Enfin, jamais on leur donne... Non, prendre le temps. On leur laisse croire qu'on arrive comme ça, non. Le cadre de l'enfance. Donc là, on est dans le Canada anglophone. Oui. Mais vous, votre langue maternelle, c'est le français? C'est le français, oui. D'accord. Vos parents font quoi? Ma mère est à la base infirmière, mais elle devient vite directrice de centre pour personnes âgées, et après directrice provinciale plus tard. C'est ton papa ? C'est mon papa, j'avais fait des biscuits à la confiture. Mon papa, il va commencer par enseigner aux jeunes délinquants, et après il deviendra, à force de gravir les échelons, directeur de prison, puis aujourd'hui il est directeur régional des douanes, de la police, de tout ça. Mais vous le voyez comme un humaniste déjà ? Mon papa, ouais. Mon papa, il est très humain, sous des airs très stricts. Il est très rigoureux, très juste, mais très humain. Et un jour, comme on était dans une région francophone, il avait deux jeunes détenus, des jeunes délinquants qui avaient 14 ans. Ils allaient être transférés dans une prison anglophone. Et mon papa savait très bien ce que deux pauvres francophones allaient vivre dans une prison anglophone. Ils pouvaient être maltraités. Ah oui. Et c'était juste avant Noël, et il les a amenés passer Noël chez nous. Il leur a acheté des t-shirts et des baskets qui allaient être mis de côté quand ils allaient rentrer en prison, mais qu'ils allaient quand même avoir, qu'ils allaient rester là. Parce qu'il a pour son dire, quand des jeunes sont délinquants, c'est pas la faute des jeunes, c'est la faute des parents. Et malheureusement, une fois qu'un jeune est rentré dans le système carcéral, une, deux fois, tu vas le revoir toute sa vie à tous les âges. Donc, si tu fais pas un effort pour le sauver la première fois, c'est mort. Donc, il y a déjà cette notion d'aide, en fait, dans votre famille. Ouais. Ouais. Bon, et ça, cet objet-là va changer le cours de votre destin. Ouais, je suis à l'école, j'ai 8 ans, on a des cours de musique. Et chaque élève a un instrument et on monte une petite chanson dans la classe. Donc on est une trentaine d'élèves. Et sur moi tombe le xylophone. Je déteste le xylophone. Vous êtes vexée. Je suis déçue, quoi. Et je dis, je peux pas jouer du xylophone, quel instrument inutile. J'aurais préféré le triangle à la limite. Et je dis au professeur, ben... Moi, j'aime pas beaucoup le xylophone, monsieur Jean-Paul. Est-ce que je peux pas plutôt chanter ? Quel âge vous avez là ? 8 ans. Et il me trouve super marrante, il dit OK. Donc on monte la chanson, et moi je chante, et il trouve que je chante bien. Et il me monte une bande-son, et il m'invite à chanter avec lui dans un événement de la ville, et je vais reprendre aussi une chanson de Cabrel avec d'autres enfants. Et c'est ce jour-là que ma carrière commence, parce qu'à partir de ce spectacle-là, j'en fais plein et je m'arrête plus jamais. C'est-à-dire que les adultes aiment la manière dont vous chantez ? Et m'invite à faire des galas. Donc il y a des gens qui me font des petites bandes-son de mes chansons préférées. Et je fais des galas partout où je chante. Je suis l'artiste invité. Donc vous le faites un peu comme un loisir.
Bah, comme ma meilleure amie fait son judo, moi je chante et mon frère fait son hockey. Ok. Et première télévision, vous avez quel âge ? J'ai 8 ans et ça ouais. s'appelle Maritime en direct. Et je suis plus que chante. Premier cachet, regardez les images. Non. Écoutez-moi, écoutez-moi, je veux garder ce nom de l'âme où je suis libre. Reprise de Céline Dion. Putain, tu chantes comme une bête déjà. Bien, hein. Je comprends maintenant. Quel âge tu as là ? 8 ans. 8 ans ? Écoutez-moi, écoutez-moi. Je la vois plus grave que toi. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Hein. T'as une voix, t'as une puissance. Oh la vache, t'as une technique, t'as tout déjà, non ? T'avais appris. J'ai une chemise de pierrot aussi. T'avais appris à chanter ou pas ? J'ai commencé les cours de chant à 8 ans, le piano à 10. Et la danse classique à 12. Et j'ai fait tout ça, tout du classique jusqu'à l'âge de 17 ans. Mais là, vous êtes à la télévision. Donc, quand vous retournez à l'école, comment ça se passe avec les autres ? Ah, je fais rire de moi un peu parce qu'il y a une émission, pas celle-là, où un jour, pendant l'émission, je fais comme ça. Je me gratte l'oreille. Et après, tout le monde à l'école, quand ils me croisent dans les couloirs, grattent leur oreille et se moquent de moi. Parce que quand ils rentrent de l'école le soir, ils me voient dans leur télé. Ah ouais. Et en fait... Il y a un peu de jalousie, un peu d'incompréhension, je pense, aussi. Et puis, c'est facile de se moquer de quelqu'un qu'on voit à la télé. Puis, je suis jeune, j'apprends sur le tas, donc je fais plein d'erreurs. Et du coup, j'ai ma petite bande d'amis, et c'est tout. Alors, là, on vous voit à la télévision, vous avez 12 ans. On se dit, le destin est déjà tracé. Vous, vous le vivez pas comme ça ? Pas du tout. Moi, c'est un jeu. Donc, j'ai pas peur, parce qu'il y a aucun enjeu. Comme je veux pas en faire mon métier, si ça s'arrête, c'est pas grave. Ouais. Parce que j'ai d'autres projets, ça, c'est en attendant. À 15 ans, votre premier clip. T'as pas des images de mon premier clip ? Premier clip à 15 ans, regardez, parce que oh, ce qu'on appelle un enfant. Maquillée. Un enfant précoce. La petite charmeuse, là, regarde ça, regarde ça. Hein ? Eh bah tiens. Qu'est-ce que, la coquine. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez, vous imaginez qu'elle a 15 ans ? Parce qu'on se revoit tous j'ai à 15 ans. On dirait une adulte, ans, quoi. J'ai à peine 15 ans. C'est une femme. Parce que nous, à 15 ans, j'ai l'impression qu'on était un peu plus empotés à 15 ans. Ah putain, oui, à 15 ans, je te raconte. On était un peu comme ça, quoi. Salut, ça va, Frédéric ? Ça va ? On y va ? Tu vas bien ? Ah la vache, t'as vu la fille, elle a des nichons, là. Non mais t'es complètement. Non mais c'est ça. Et les mecs c'est pas la même chose. Hein. À 15 ans ils sont dans une sorte de développement au ralenti, tu sais. Puis en plus ils muent les mecs, c'est un peu plus. Ouais, mais un ils muent de la voix et du corps et de tout quoi. Et là vous rêvez toujours pas d'être chanteuse. Non. Mais vous faites ça comme un loisir. Des clips vidéo, je fais des télés, c'est un loisir. Mais oui, ma copine elle va en compétition dans d'autres pays, faire des compétitions de judo. Moi je reste dans mon pays, je vais pas dans d'autres pays, mais je fais des albums et des clips. D'accord. Et votre rêve à ce moment-là dans votre vie c'est quoi? À ce moment-là, mon rêve, c'est d'être ou biologiste ou infirmière. Ouais. Et donc, c'est assez fascinant de voir la jeune fille qui est faite pour ça. Vous vivez dans un monde d'adultes, en plus, à ce moment-là. Je suis toujours avec des adultes. Je suis plus pote avec mes profs à l'école qu'avec les amis. J'ai très peu d'amis de mon âge. J'en ai dans ma rue, mes voisines. Mes cousines sont plus vieilles que moi. J'ai pas d'amis de mon âge. Mais en tout cas, vous êtes celle qui réussit tout. Elle fait des clips, on a l'impression qu'elle est professionnelle. Je suis celle qui fait chier. C'est-à-dire ? Bah, je suis assise devant la classe, j'ai des grosses notes, je fais des blagues avec les profs. J'ai très vite à l'école plus de jours d'absence que de jours de présence, mais on fait une entente avec le ministère de l'Éducation pour que je puisse continuer à chanter tant que mes notes sont bonnes et tout ça. Donc j'ai plus de jours d'absence que de jours de présence, mais j'ai quand même des grosses notes. Des bonnes notes. Ouais, quand je suis à l'école, les profs sont hyper gentils avec moi parce que je m'entends bien avec eux et parce qu'ils savent que je ne suis pas beaucoup là. Donc je pense que je fais chier les autres, un peu. Vous l'auriez vécu comment dans votre classe à 15 ans, la jeune fille jolie? Moi j'aurais pécho déjà. Moi j'aurais essayé de la pécho. Moi j'aurais pécho tout de suite. Ouais, autant être avec la première de la classe déjà. Tu mais vois, comme j'étais hyper brusque. J'avais 50 ans. Ah bah ouais. Mais c'est drôle parce que j'avais pas d'amoureux. J'avais des amis, mecs, mais j'avais pas d'amoureux parce que j'étais tellement brusque
que les filles voulaient pas jouer avec moi et les mecs, je me castagnais avec eux. Eh ouais, ouais. Non, mais je pense qu'on aurait... Oui, on aurait... J'étais pas la fille jolie et tout ça. Alors Marc, vous, quand vous grandissez, c'est un tout petit peu plus longtemps, y a... vous vous rappelez qu'il n'y a pas forcément l'eau courante. Mon Dieu. Ah ouais. Vous êtes à la campagne, bien sûr. Dans la montagne. Et donc, racontez-nous le contexte familial, on va en parler, mais déjà, les souvenirs d'enfants, vous vous rappelez qu'il n'y avait pas l'eau courante. Comment vous vous rappelez de ça, d'ailleurs? Parce que l'eau, c'est un contexte un peu, hein, difficile. Oui. On n'a pas l'eau courante, tout simplement, c'est que l'eau est sur le bassin à l'extérieur et maman me baigne dans une bassine. Ouais, vos parents font quoi? Ben, mes parents sont paysans. D'accord. On a la ferme d'hôtes, on vit en communauté avec les grands-parents, les enfants. Je dis, la terre, l'environnement qui arrive, l'autarcie. Alors vous viviez un paradoxe incroyable, c'est que la messe est obligatoire tous les dimanches à 18h30. Et en même temps, votre grand-père, qui était un peu votre héros, lui, était anticlérical. Ah oui. Et il avait un propre frère qui était curé. Et il était anticlérical parce que... Alors, c'est un truc incroyable. Mon grand-père ouvre la première table d'hôte avec un bistrot à Manigot, dans la montagne, où les gens viennent manger des omelettes aux champignons. Et mon grand-père dit, cette jeunesse s'ennuie. Le samedi, j'ai un copain qui est accordéoniste, il va venir jouer d'accordéon. Et c'est le lieu de rencontre entre les jeunes... Qui élégamment danse, échange, partage. Et tu sais ce que fait le curé? Il monte en chaire, il dit « Tous ceux qui iront chez François Caravi, le week-end, iront en enfer. » Et il me l'écrit. Mais est-ce que vous imaginez? Mais c'est hallucinant. Donc grand-père anticonformiste? Ah ouais, complètement. Et la question qu'on se pose au fond, c'est quel est le jour? Parce que vous vous rappelez du jour où vous dites « Ouais, je veux faire de la cuisine plus tard. » C'est le jour où on vous accepte à la table des grands. Oui. Vous vous rappelez de ce jour ou pas? Ben bien sûr, je m'en rappelle. Je me rappelle de ce jour parce que c'est une grande table et c'est la Saint-François. Et mon grand-père, c'est quelqu'un de très... C'est quelqu'un qui ne vit pas comme les autres personnes. C'est incroyable, ce type. Il invite tous les François de Manigot. Et je ne sais pas pourquoi il m'invite. Donc c'était une fois par an, il invitait les François de la commune. Donc on se retrouvait une quinzaine. Et il m'invite à sa table. Et à gauche de mon grand-père, qui c'est qu'il y a? Eh bien... Le tonton, curé, le frère de mon grand-père, qui fait le bénédicité sur la nourriture. Donc, côté spirituel, tu vois, pour un gamin, c'est extraordinaire. Il y a côté solennel. Moi, j'ai 10 ans. Tu te rends compte? Merde, il se passe quelque chose. Sans parler de religion, mais la spiritualité, tu vois. L'idée qu'avant de se mettre à table, il y a un côté solennel. Solennel. Ça a l'air important. Solennalité. On entend les deux premiers plats, on entend que le bruit des couteaux et des fourchettes. Et puis après, tu vois, la convivialité, l'échange, le vin aidant, c'était le mouvement culinaire qui se mettait en avant. Alors, moi, je suis... Vous sentez que c'est important, ça, finalement, à ce moment-là? Ah ben, il n'y a rien de plus important que la table. Et ce jour-là, vous êtes accueilli à la table des grands, cette nourriture paraît importante, et vous dites, moi, mon métier, je veux faire de la nourriture. Ouais. Mais vous, à 15 ans, vous rêvez de quoi? Vous rêvez de radio, Olivier? Oui, je rêve de... Ah, 15 ans! Ah ben, j'écoute la radio, j'écoute des gens comme Bernard Lenoir, comme Georges Lang, voilà, et j'enregistre en fait sur des cassettes. Et je me dis, tiens. Vous les enregistrez? Ah oui, j'enregistre. Oui, j'enregistre. Donc, Georges Lang, c'est la musique, c'est les nocturnes, la nuit sur... C'est les nocturnes. Toujours d'ailleurs. Toujours. C'est lui qui. Un jour, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas, c'est génial de passer ses disques. Georges Lang, RTL, il a un message pour vous, écoutez. Oh putain, c'est cool. Bonsoir Olivier, c'est... George Lang. George Lang. Je crois avoir compris que tout petit, Olivier, tu m'écoutais dans ton lit, sous la couette. Il y a quelques années, tu es venu à RTL avec CAD, dans le cadre d'une émission animée par Laurent Boyer. C'était exceptionnellement dans mon studio. Et là, tu es devenu songeur. Tu m'as imaginé, assis devant ma console, tu as demandé à l'assistante un papier sur lequel tu as écrit à mon intention « Monsieur, vous m'avez fait aimer la radio ». Et j'ai fait de la radio, puis de la télévision, et enfin du cinéma. Je vous dois une partie de ma carrière. C'est vrai. J'ai été très touché par ce message, Olivier. Si un jour tu as le temps, viens me rejoindre dans le studio que tu connais à RTL. Tu piloteras l'émission pendant toute une nuit. Les nocturnes. De minuit à 3h du matin. Mais oui, mais il faut si que je le fasse. Tu programmeras la musique, je compte sur toi. Non, je vais le faire, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez cette voix qui s'adresse à vous? Ah ouais, mais je suis... Vous revoyez en fait à 15 ans, vous l'écoutez. Ouais. C'est beau le message que tu lui as laissé. Ouais, j'étais là, je peux... Témoigner. Ouais, t'avais quand même rajouté connard à la fin. Oui, j'ai toujours, pour déconner, j'ai rajouté un petit non, mais voilà, c'est quelqu'un que, voilà, et que j'écoute encore. Et les peu de fois, d'ailleurs, quand je suis avec Coralie, avec ma femme, et qu'on est sur la route à minuit, je mets RTL, et elle l'apprécie aussi, mais j'ai ce mec, il a une voix, il te donne envie, il est...
Voilà, ça a été un exemple. Et j'ai bien fait de suivre son exemple et de faire un peu dans, dans ce qu'il faisait lui, quoi. Et de pas forcément vouloir faire de la radio, sans citer d'autres radios, mais plus, plus commerciale, plus facile. Enfin, voilà, conventionnel. Conventionnel, quoi. Et ça, ça m'a donné envie de faire de la radio, ouais, franchement. Ouais. Quand on est enfant, on a une lecture du monde qui est un peu particulière, on comprend pas tout. On a des bouts d'informations et on se fait nos films, quoi. Dans une actualité positive, on est en 1969, l'homme pose un pas sur la Lune. Et vous vous rappelez de ce que vous avez vécu? Ah bah ça c'est... On regarde des images, vous nous dites ce que ça vous rappelle. C'est incroyable. Vous vous rappelez ça? Armstrong, ouais. Ouais, il sourit, il chante. Bah, tu m'étonnes. Vous le vivez comment à l'époque? Vous avez quel âge en 69? J'ai 18 ans, c'est surréaliste, quoi. C'est surréaliste parce que c'est la découverte. Mais ce qui est surréaliste, c'est que à l'époque où l'investissement a lieu sous le président John Fitzgerald Kennedy, il a prévu qu'ils iraient sur la Lune parce que c'est la guerre froide là. Il faut pas l'oublier. On est en pleine guerre froide. Et contre la Russie, donc c'était le premier qui allait prendre ce patrimoine en fait. Hein. Et il avait prévu qu'on irait sur la Lune, mais il n'avait jamais prévu qu'on aurait les images. Et ça, c'était le grand événement planétaire, c'est qu'on ait les images de ces hommes qui sont allés sur la Lune. Et vous ressentez parce qu'on n'avait pas eu les images, on n'aurait pas eu la même audience. Et moi, ça m'a donné faim, tout ça. Pas vous? T'as faim tout le temps? Non, mais j'ai faim, je sais pas pourquoi. Allez, venez. Il reste du fromage et du pain. Venez, je vais vous faire... Merde, putain, je suis coincé. Venez, je vais vous faire une petite omelette avec un humus, parce que moi, c'est les jeunes. Moi, c'est les jeunes. Et je vais vous faire une petite, parce que mon père, c'est les jeunes. Parce qu'on est en autarcie. À ce moment-là... Mais tu vas te taire. On a les vaches, à ce moment-là. Trop fort. T'as compris ou pas? Elle est bonne dans la rime, là, maintenant. Oh, maybe the mountains know what to call you now. Maybe the mountains... C'est ça le lancer, tu vois. Hop. Alors, c'est ça la vraie technique. Avec ça, regarde la cuillère. Regarde Marc. Regarde la cuillère ce qu'elle fait, tu la vois? Regarde. Ah ouais. Tu vois, voilà. Ça, le carnassier. Oh non, non. Il pense que c'est un poisson. Il dit, oh, et là, tu ferres. Bon, là, il n'y a rien, évidemment. Ferrer, ça veut dire tirer très fort. Voilà. Pour que l'hameçon prenne. When I'm in a womb, I know what to call you now. And when a belly blooms, I know what to call you now. Hey, mama, j'arrive pas à imaginer quel genre d'adolescent vous étiez les uns les autres. Ben, moi, dans la continuité des filles qui énervent, j'étais hyper proche de mes parents, pas du tout rebelle. J'étais complètement décomplexée avec mes parents. Et au moment des premières relations sexuelles... Ah, attends, oui, justement, parle-nous. Ça n'a pas été un secret. Et je me souviens, pour vous dire à quel point, pour moi, c'était normal une famille où on se dit tout. Alors... Tu l'as expliqué à tes parents? Non, j'ai pas expliqué, mais... On se disait tellement tout que je pensais que dans toutes les familles, c'était comme ça. Et il y a mon amoureux de l'époque qui est à la maison. Et on est en train de faire l'apéro avec mes parents. Et tout le monde raconte des histoires et tout. Et moi, normalement, comme je fais avec mes parents, je dis, maman, dis donc, on a un problème parce que on cherche des capotes. Et Kevin, il a un trop gros pénis. Ça marche pas, en fait. On n'arrive pas à trouver des capotes qui lui font. Et lui, évidemment, ça n'existe pas dans les autres familles, cette ouverture d'esprit, que dans la mienne, mais moi, je ne sais pas. Lui, il est rouge. Il est rouge. Il est hyper gêné. Et ma mère qui fait, oui, mais tu sais qu'il existe des grandes tailles, ma fille. Et elle me raconte ça comme si de rien n'était. Bah, j'imagine le mec. Mais quand tu dis gros, il était, c'est-à-dire... Mais oui, c'est intéressant. Non, ça nous intéresse. Ouais, c'est parce que, là, tu touches un truc intéressant. Mais la première fois, c'est une trouille immense. Parce que on a un manque de... Vous, non. Non. On s'est entraîné qu'à des mois, je sais qu'on a vécu la même chose, on s'est entraîné sur des animaux avant. Ah, c'est dégueulasse. On s'en fout de ça, mais on va pas parler d'autre chose. Mais c'est vrai, il est gêné. Non, mais Marc... Vous êtes gêné de la manière dont on parlait au petit-déj dans la famille. Oui, mais c'est vrai. Le végétal, le minéral. On s'est d'abord entraîné sur les arbres, dans la mousse.
Ah oui, oui, oui. Non, la mousse reproduit assez fidèlement femme, le sexe d'une femme. Mais il faut la mouiller, cette mousse. Non, c'est sûr. Il faut limite. Affreux. Non, mais limite, avec un peu d'huile d'olive. La sève de l'arbre. Ah, non, avec un peu d'huile d'olive. Non, mais arrête. Attends, non, mais allez, on parle d'autre chose. Il est gêné, Marc. Il est super gêné. On sent le décalage des générations. Hein. Mais pourquoi non, adolescent, Marc, pour vous imaginer... Attendez, parce que moi, je vous vois comme des grands séducteurs. Et c'est important de savoir comment, à 15 ans, vous vous voyez. T'as jamais parlé de sexe avec tes parents? Ah, moi non plus. Hein. Ah, jamais. Non, jamais. Avec tes frères. Quelle horreur, il a failli dire. Avec mon père, ma mère. Mais avec tes frères. Mais tu rigoles. Mais jamais. Même adulte. Mais jamais. Il n'y a jamais eu une jacque de cul chez vous. Mais ça, si tu veux, ça... C'est tabou. C'est tabou. C'est le jardin secret de chacun et c'est la pudeur du monde paysan. Tu sais, mais alors comment t'as découvert? Non, mais ça, c'est la pudeur du monde paysan. Qui t'a expliqué comment les enfants viennent au monde, du coup? Bah, je... je sais toujours pas. Non, ils viennent dans la mousse. Non, mais... Ils viennent dans la mousse, dans le muscle. Non, mais écoute, non, mais jamais j'en dans ai parlé. Dans les pommes de pain. Mais attends, mais tu plaisantes? Ouais, moi non plus, moi non plus. Ceci dit, il n'y avait pas d'éducation sexuelle, il n'y avait rien du tout. Hein. Quel âge vous aviez la première fois? 15 ans. Quoi? Oh, mais t'étais dévergondé ou quoi? Précoce. Bah non, 15 ans. 15 ans, t'as fait quoi, 15 ans? Bah 15 ans, j'ai fait l'amour la première fois à 15 ans. Ah bon? Ouais, 15 ans et demi, 15 ans et demi, ouais, non. C'est jeune, non? Moi, je vais vous choquer. Elle avait 63 ans, c'est vrai que ça va. C'était là ou jamais. Moi, je vais choquer. C'était super. Je devais être en 4e. C'est quoi l'âge? 4e, c'est tôt. Et tôt, ouais, oh, tôt. Ah, t'avais 13 ans. Mais moi, j'avais 19 ans en 4e. T'as fait 4 fois ta 4e. Non, moi, c'était 4e. Les premières fois, on était une bande de potes, nous. Et une bande de potes qui avaient des copines, donc on fait ça généralement dans les maisons à plusieurs. Voilà. Ouais, bah oui, oui, c'est on écoute, plusieurs, on écoute Angie, on écoute Chicago. If you leave me now, et chacun dans sa chambre, en fait, c'est ça. Part of me. Et hop, un petit roulage de pelle. À un moment donné, oh là là, qu'est-ce que c'est? Et puis bim, ça finit capote et compagnie. Mais on est plusieurs. Tous dans le salon, quoi. Et on est en 4e. Et si on parlait de nos enfants un peu, hein? C'est génial, non, hein? Non, non, mais on a fait ça à plusieurs, voilà. Quand mais pas à plusieurs, pas ensemble. Non. Attends. Mais est-ce que vous étiez dans la même pièce? Non, si. Chacun dans une chambre. Marc, ta première partouze, hein. Vas-y, raconte-nous. Oh non, je m'ai jamais fait de partouze. Non, non, mais ça n'intéresse personne. On était plusieurs, mais dans différentes chambres, quoi. On a été dans la même résidence, voilà. Ça, il y avait des booms, puis après ça finissait, et ça pouvait aller jusqu'à l'acte. Allez, Marc, une seule question. C'est pas... T'avais quel âge la première fois? Acte 1, acte 2, acte 3, voilà. Non, non, je réponds pas à ce genre de questions, mais j'étais âgé, mais bon, là, j'étais déjà un peu âgé. Ouais, mais c'est pas la même génération. C'était l'année dernière. La même génération, on a 10 ans d'écart. Marc, c'est pas péjoratif ce que je dis. 10 ans, c'est important à ce moment-là. Non, mais nous, si tu veux, c'est une relation dans le monde paysan. Si tu veux, cette relation d'amour que l'on a avec une femme, même si c'est la première fois... Bah, c'est super important. Non, mais bien sûr que c'était... Mais je n'ai pas dit que c'était pas important. Je dis simplement que pour nous, fallait pour se marier. Nous, non, je n'ai pas dit ça, pas du tout, pas du tout. Mon père n'était pas du tout comme ça, c'est pas vrai. Mais simplement, c'est que la femme représentait, représentait ce qu'elle représente, c'est-à-dire qu'elle met au monde. La mère. Et donc, si tu veux, c'était un problème complètement tabou parce que ça avait ce côté humanitaire. Bien sûr, mais je peux comprendre ça. Hein. C'est tout. Si tu veux, la femme, c'était le respect absolu. On ne parlait pas de sexe, on ne parlait de rien parce qu'on ne voulait pas la dévaloriser. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le monde paysan, je parle de mon éducation, on ne voulait pas dévaloriser tout ça. Parce que c'était un acte... On ne pouvait pas faire d'acte gratuit quand on allait avec une femme. Non, mais Marc, là on déconne, mais on n'en parlait pas plus que toi de sexe à l'époque. On le faisait, moi, si tu veux. De sexe, moi, jamais. Mais on n'en parlait pas. J'aime pas trop, d'ailleurs, j'ai gardé ça. Et ma fille dit toujours... Tu sais, quand il y a des chansons grivoises avec les copains et tout. Et ma fille dit tout de suite, papa ne va pas apprécier. Et si tu veux, le sexe pour moi, c'est mon jardin secret. Voilà. Et vis-à-vis peut-être de la première fois, des femmes avec qui j'ai eu des relations peut-être, mais en tous les cas, c'est mon jardin secret. Est-ce que c'est vrai que vous avez un jour, pour impressionner une fille, lui faire croire que vous étiez une vedette, vous aviez 20 ans, étiez dans un aéroport et vos potes ont joué les paparazzis? Mais bien sûr. Non. Comment? J'adore ça. T'es trop fort. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas entendu. J'étais en vacances dans un club de vacances. J'avais une vingtaine d'années.
J'étais en vacances là-bas, je suis tombé sur une fille très jolie, j'avais envie de la séduire, j'arrivais, je savais pas comment faire, et je me suis inventé une vie d'artiste, je me suis appelé François, tu vois déjà, François, et donc j'ai fait croire à cette fille que j'étais quelqu'un de connu en France. C'est bon ça. Là vous êtes où? On est en Tunisie. D'accord. Mais elle est française, hein. D'accord. Elle s'appelle Hélène. et j'appelle mes potes, je leur dis, les gars, j'ai une idée, vous allez m'attendre à l'aéroport, comme des paparazzi. Mais c'est fait avec des manteaux de journaux. Tu sais, les mauvais costumes. Le cliché, ouais, ouais. Et donc j'arrive, je suis là, putain, je flippe. Et donc je dis à cette fille, tu sais, je suis important, tu vas voir, risque d'y avoir... du monde. Et bien sûr, mais non, mais j'ai... C'est un jeu en même temps, c'était presque un désir d'être comme ça, je sais pas. Vous l'avez créé, quoi, ça. Bah, je sais pas. Et quand on arrive à l'aéroport, tous mes potes, le voilà, le voilà, le voilà. C'est bon, c'est bon. Ils m'ont accompagné bon, jusqu'à aller chercher la valise, ils me suivaient. Bon, François, François, François. Ils t'ont pris la valise. Tout. Ouais. Et les gens passaient devant moi, ils disaient, mais qui c'est un sportif? Non, c'est un machin, c'est un joueur de foot. Tu sais, je sais pas qui c'est. Quand tu, ouais, quand tu vois un mec que les gens reconnaissent, mais que tu sais pas et qui ça c'est. Ça crée un attroupement tout de suite. Et elle me voit comme ça, et c'est vrai qu'elle est un peu épatée. Sauf que. Sauf que je repars en Renault 15 que j'avais piqué à mon père, Renault 15 blanche toute pérable, et qu'elle m'a vu sortir du parking avec tous mes potes à l'arrière, et là j'ai fait oh merde, je l'ai plus jamais revu. Un grand moment de solitude. Mais c'était magnifique. Ah, c'est... Mais j'avais cette blague. J'avais bien préparé le c'est truc extra, quoi. Ça, ouais, c'est extraordinaire. Ça faut que tu le mettes dans un de tes films. Ah, oui. Bah ouais, c'est sûr. Voilà, que ça c'est des belles histoires. Et puis surtout c'est des et histoires. Tu n'as pas parlé de sexe. Non, mais si tu... Tu n'as parlé que d'un film qui était contre... belle, que tu voulais séduire. Oui, mais je voulais la déglinguer quand même. Salopard. Non, à un moment donné, faut dire ce qu'il est. Ne parle pas comme ça, Kat, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Oh, c'est entre nous, mais non. Respecte pas la femme, Kat. Comment veux-tu que je mette mon pull? Tu avances. J'ai peur. Comment veux-tu que je mette mon pull? Tu l'as fait au Resto du Cœur, il l'a fait pendant. Devant 15 000 personnes. 15 minutes au moins. Alors... Ça a duré au moins 15 minutes son truc. Au resto, ce qui est marrant, c'est vrai que. Comment, Resto du Cœur? Entre... Au Resto du Cœur, pardon. En fait, ce qui est bien pour les gens qui assistent au spectacle, c'est qu'il y a vraiment des moments où il y a 10 minutes de changement de décor, et tout, parce que c'est très, très lourd. Et c'est vrai que là, Jean-Jacques, un jour, il me dit, vas-y, tu veux faire... Viens, prends la guitare, vas-y, 15 000 personnes. Tu avances et tu recules. Et là, je me regarde, comment... Jean-Jacques Goldman derrière. Comment veux-tu que je mette mon pull? À vous, tout le monde! Et les 15 000! Tu avances et tu recules. Comment veux-tu que je mette mon pull? Mais c'est vrai que si tu réfléchis bien, si tu avances et tu recules, comment tu mets le pull? Mais tout ça. C'est une chanson qui a du sens. Tout en ça fait. Est vrai, Marc. Non, mais tu vois, il n'y a pas de. Non, mais moi, c'est ce soir, je vais faire la vie en musique. Chaque fois que vous avez un sujet qui m'intéresse, je vous le chante. Tu sais que ce soir, tu n'oublies pas qu'on va faire le carré d'oignon avec serre. Les humus, l'oxalis. Ce soir, je mange un carré d'agneau rempli de mousse, des verres, peut-être de l'eau. Ce soir, je mange un carré d'agneau sans les os. Carré d'agneau. Yeah.
boucher qui t'est arrivé. Est-ce qu'il a déjà été accueilli comme ça? Viens avec la guitare. On est content de vous voir, monsieur. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Vous étiez en pleine chanson? Mais oui, on était là pour vous accueillir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre camion? Vous allez bien? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre camion? Tout est bon. Des champignons. Ou champignons. Voilà. Champignons. Une tête de cochon. C'est qui le cochon? Bonsoir, monsieur. Voilà. C'est comme et ça. C'est monsieur Mouron. Mourou. Deux fois ou. Mourou. Ah, je suis ému, moi, parce que. Vous avez connu ça. Ah, ouais, j'ai connu ça à la campagne, à la montagne. Oh, il y en a encore? Non, il y a pas. Chez nous, il n'y en a plus. Non. Ah, bon. Non. Alors, qu'est-ce qui vous fait envie, Marc? Et les camarades, non, non, on a, c'est quoi, c'est crédit limité ou pas? Crédit limité. Parce que carré d'agneau à l'arbre de Noël, on va faire aujourd'hui. Et donc, vous en voulez pour combien de personnes? On est 5. Est-ce qu'il y a un truc qui vous fait envie? Non, je regarde un peu tout. Bon, on dit que c'est bon, là ouais, bah, ça va. Je pense que c'est bon. Monsieur Mourou, merci beaucoup, alors. Ça va être bon. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Puis bonne fin de... Bah, c'est super. Dommage, on a. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Salut, au revoir. Merci. Merci à vous. Alors, plaisir, alors. Allez, au revoir. Merci, monsieur Mourou. Merci, c'est bon. Et bravo, hein. Bah merci. Bravo. T'as une belle découverte. Merci bien. Au revoir. Bon, il est arrivé quoi à Cannes? Voilà. Excusez-moi, j'ai pris une petite douche. Oh. Non, pardonnez-moi, j'ai pris une petite douche. Ce qui explique mon changement de costume. Voilà. C'est marrant. Tiens, c'est l'oxalis, on prend le bouillon de légumes. On prend la tige d'oxalis parce que la feuille n'a pas d'arôme. Okay. Que les tiges qui ont le goût d'oseille. Ouais. On les plonge dans 1 demi-litre de bouillon de légumes, puis allez, hop, on lit au manioc. Et c'est doué, ça donne ça. Et ça donne ça. Bon, allez. Allez, moi, je vais cuisiner, on va observer. Moi, je voulais en profiter pour qu'on comprenne un petit peu... ce que vous avez fait avant de faire ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres métiers avant CAD, vous avez fait d'autres boulots, genre quoi? C'est ce que vous avez vendu? Moi j'ai vendu des encyclopédies en porte-à-porte. Ça c'est vrai? Non. C'est la légende. Non, c'est pas la légende. Légende mais tu ne les as pas lues. Je ne les ai pas. Et ça marque une vie. Et ça c'est dommage. J'ai vendu des encyclopédies universalistes. Mais c'est quoi, c'est fameuses. Vraiment porte-à-porte? Ah oui, vraiment porte-à-porte. Vous rappelez de l'argumentaire? Mais j'avais suivi une espèce de stage dans une espèce de pièce, comme un séminaire, tu vois. Bon, vas-y, je suis un client. Je suis un client. Ça coûtait très cher. Enfin, ça continue de coûter très cher. Je crois que c'était dans les 3 à 4 000 francs à l'époque. Ouais. C'est ça. Et j'en ai vendu une encyclopédie à un dentiste. Donc un mec dans toute ta carrière, t'en as vendu oui, une. Oui, mais j'ai dû vendre ça pendant, allez, peut-être 6 mois, j'ai dû faire. Mais six mois, t'as vendu un encyclopédie. Il a fait 3 000 une encyclopédie. 3 000 francs de chiffre d'affaires en 6 mois, ouais. Je suis désolé. Non, Et après, j'ai vendu. C'est après, donc, comme, parce qu'en gros, pourquoi... Attends, quand on dit porte-à-porte, ça veut dire qu'on se fait rejeter et jeter tout le est-ce temps. Est-ce que t'avais la tactique de genre, tu mets le pied. Attends, vas-y, je pour un comédien. Acteurs de cinéma, profitez-en, vous avez des acteurs. Oui, alors vas-y. Tranquille ce soir, il y a personne qui va nous embêter. En plus, t'as vu, on a un superbe cuisinier. Surtout pas ces marchands ambulants, c'est vaurien, c'est vandales qui viennent nous vendre n'importe c'est quoi. C'est vos suffereurs qui nous racontent n'importe quoi. J'espère que ça ne va pas frapper à la porte. Ils seront bien reçus. Mais qu'est-ce qui est donc que c'est que ça? T'as pas encore invité ta mère? Oh, j'espère pas. Oui, bonjour. Bonjour, mon bon ami. Merde. Bonjour, mon bon ami. Mais attendez, mais ça ne sent pas du tout l'encyclopédie universelle. Voilà, c'était donc... Merde. Non, parce que tu vois l'art du déguisement. Ouais. Voilà. Ouais. Une canne, un panier. Rien. Et vous avez réussi à nous surprendre. Non, je... Vous passez votre temps à vous faire jeter ça. Ouais, non, mais ça, je m'en rappelle plus comment ça. Non, parce que, en fait. Bah, la sensation de se faire jeter. Évidemment. Non, mais après, Pierre, j'ai vendu des marmites chaudières. C'est une marmite chaudière. Chaudière et marmite. Ce sont des marmites, comme ça, plus grosses que ça, que tu mets dans la cheminée et qui dégagent beaucoup de chaleur et qui chauffent la maison. Il y a un type qui avait inventé ça, j'avais une voiture de fonction, sur laquelle il y avait. Oh, pardon. Oh, bah.
Oh mince! Sur la... sur la gueule. Arrête. Sur la gueule. Oh le siphon. C'est génial ça. Mais siphon. Oh pardon. Oh merde. C'est des trucs de valeur en plus. C'est dans un éléphant sur laquelle il y avait. Oui, oui. Sur laquelle il y avait. Ah, tu en étais où si, hein? Non, tu disais que t'étais à Courchevel. Non, non, non. Donc j'étais à Courchevel et on me dit, non. Mais il n'y a pas de neige. Moi, je dis, alors, mais où c'est que je vais skier? Non, c'est pas ça. Vous étiez en train de vendre des marmites chaudières. Oui. Et donc, la marmite chaudière, j'avais une Renault 5 avec un dessin de marmite chaudière dessus. Et je me baladais. J'en ai jamais vendu une seule marmite chaudière. C'est invendable. Vous rêvez de quoi à ce moment-là? Ah ben moi je suis déjà, je pense que je prends déjà mes cours de théâtre, voilà, je suis déjà moi sur les planches, j'ai déjà la tête. Ah quand tu fais ça. Ah ben c'est veut dire que je fais ces petits boulots pour me payer mes cours de théâtre ou pour. Mais ou pour, tu les prends déjà ou tu rêves de les prendre? Non, je suis déjà en train de prendre des cours, bien sûr. Ah, ouais, j'ai joué des pièces de Molière, des pièces de Racine, parce que j'étais dans un cours et mon professeur que Olivier a connu, qui s'appelait Jacqueline Duc, qui était une femme d'un certain âge qui a disparu depuis, qui était une, qui a été à la Comédie Française, et elle m'avait un jour dit, j'étais arrivé à peine dans le camp, elle m'avait dit, tu vas jouer Alceste. Pardon, moi je ne savais pas, et donc elle m'a, pendant deux mois d'été, elle m'a, à la table, j'ai appris le texte, j'ai appris ce que je disais, je ne comprenais pas bien, parce qu'il y a des mots, il y a plein de mots dans Molière qui sont compliqués quand tu n'as pas été très très bon à l'école. Et donc j'ai joué Alceste, j'ai joué des pièces de Victor Hugo. C'est dans cette période qu'on vous dit que votre prénom n'est pas adapté? Oui, c'est-à-dire que je fais à l'époque... Il y a des gens qui veulent faire François Ier à la télé. Et moi, je ressemblais à François Ier jeune, apparemment, à l'époque. Déjà cette phrase. Voilà. Et ils étaient venus voir... C'était des amis de ma prof, de Jacqueline. Et j'ai joué pour eux. Ils étaient deux dans la salle. Ils étaient super contents. C'est formidable. Et puis, à la sortie du... Comme là, il y avait un tableau avec la distribution, comme ça, écrit à la main. Alceste, Cadour. Et ils sont arrêtés. Et Jacqueline m'a dit après, ils ont vu ton nom et ça leur a fait peur. Ils ont dit non, ça pourra pas coller sur un programme télé, François Ier en face. Vraiment, c'est un truc qu'elle m'a dit. Et là, la réaction, mais bon, c'est quoi? Et la décision, c'est quoi? Alors évidemment, là, j'ai commencé à flipper. J'ai dit bon, ça veut dire donc... ça veut dire que plus, c'est un handicap, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un handicap. C'est-à-dire que Thabot est un acteur qui en veut, qui est bien. Il y a un moment donné, ton origine, en tout cas même ton prénom, puisque l'origine ne se voit pas sur soi toujours, va être un handicap. Donc... J'en veux à personne, et puis ça n'a jamais été un handicap, ça a pu l'être, et maintenant je pense que c'est même une force, quoi, tu vois, à la limite. Bien sûr. Sugar on the highway, something about the way she moved, made it worth my staying there, I might have been a bit of... Olivier-vous? Vous avez été DJ dans les supermarchés? DJ? J'ai fait des animations commerciales. Animations commerciales. Dans le rayon des fruits et légumes. C'était quoi? Je vous rappelle qu'en ce moment, une vente flash est organisée au rayon lingerie féminine. Dans évidemment, ça évidemment. Moi, dans 10 minutes, 20% sur les soutiens-gorge, 20% sur les... non mais c'est vrai, j'ai fait ça pendant longtemps. Hein. Et là, quand vous êtes en train pendant de le faire... longtemps, non. Quand vous êtes en train de le faire, là aussi, qu'est-ce que vous ressentez? Alors là, c'est la première étape de ce qu'on appelle du cassage de timidité. C'est-à-dire que si c'est une très bonne école pour à un moment donné te dire, écoute, j'en ai rien à foutre, j'y vais. J'y vais, il faut que j'y aille, quoi. Les gens n'ont absolument rien à foutre, ils vous passent devant. Les gamins, là, c'est horrible, 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 horrible. Mais en même temps, il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Et avant de comprendre la rencontre et ce qui s'est passé, donc la radio commence à rentrer dans votre vie, en fait. On l'a vu tout à l'heure. On l'a raconté un peu. Mais du coup, oui, FM. Donc vous êtes embauché, vous faites une tranche. Alors, il y a eu deux choses. C'est ça, la rencontre avec Cahier. Ouais, il y a eu la première chose, c'est que je suis arrivé en premier, moi, à WFM en 91. Ouais. Et Cad est arrivé deux mois ou trois mois après. Moi, j'étais pizzaïolo à côté, moi. Voilà, il était pizzaïolo à côté. J'étais serveur de pizza dans une pizzeria, c'est vrai, comme d'habitude, hein, fallait bien... C'est vrai. Ouais, et toute l'équipe de WFM, on peut s'asseoir ou pas? Ouais. Toute l'équipe de WFM, ah merde, il venait manger dans la pizzeria où je travaillais, où je servais. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la première fois les gens de WFM. Et ils ont organisé un casting. Et j'ai entendu qu'il y avait un casting, j'aurais demandé est-ce que je peux faire le casting. Mais ça va pas ou quoi? Cadeau. Donc, le serveur de la pizza qui va faire un casting à côté. C'est une vraie histoire. Ouais. Dans le film de votre vie, d'accord, la première fois que vous voyez ce garçon, c'est quand?
C'est un matin ou un après-midi, je sais plus très bien, dans le couloir de WFM, avec un imper, une casquette, et voilà. Et rien en dessous, hein, par contre. Ouais, à poil en dessous. Et c'est ça. Et c'est ça. Non, 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 mais je veux dire, non, je l'ai vu, voilà, je l'ai vu, et je l'ai juste entrevu, quoi. Ouais. C'est après qu'il est allé passer le casting, etc. Et vous m'avez dit, il y a un nouveau mec qui arrive à la radio, il s'appelle Cad, voilà, il va faire le 9-13. Et puis voilà, on s'est retrouvés tous les matins. Donc 9-13, vous, c'est 6h-9h. 6h-9h. Lui prend l'antenne à 9h. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle la passation d'antenne. Exactement. Au début, ça a duré 30 secondes. C'est-à-dire, et voilà, bonjour Olivier, voilà. Salut Cad, ça va, deux conneries, deux vannes. Et au fur et à mesure. Et après, on en a fait des sketchs, on a écrit. C'est passé de 2 minutes à 4 minutes, de 4 minutes à 10 minutes, de 10 minutes à 20 minutes, ça s'est terminé. C'était des passations qui duraient une demi-heure. C'est là que Bruno Delport a dit, écoutez les gars, au lieu de faire des passations d'une demi-heure, faites une émission ensemble. Et donc là, il nous a mis ensemble pendant 5 ans. Ça, c'est après votre arrivée, un an après votre arrivée. Et on a fait le Rock'n'Roll Circus. Voilà. Et là, c'était génial. On a créé notre première émission. Et là, c'est là, en fait, c'est là où tout est parti. Tout est parti de là. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes comme un précipité en chimie? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ça va, tous les deux, ça va décoller? Justement, comme tu viens de le faire, c'est ça. C'est que c'était juste au début. C'est-à-dire qu'il y avait le plus et le moins quand même, quoi. Des fois, ça pétait, quoi. Ça pétait dur. Ça pétait sérieusement. Mais sur quel genre de truc, par exemple? Sur des conneries, des problèmes. Ce que j'ai toujours dit, on a réglé depuis longtemps nos problèmes d'ego, Cad et moi. Il a fallu à un moment donné qu'on s'engueule, il a fallu à un moment donné que ça pète pour que chacun trouve sa place, que chacun urine autour de son territoire et dise voilà, moi c'est ça et toi c'est ça. Et ça donne 20 ans d'amitié maintenant et de travail. Et aujourd'hui, un deuxième film ensemble et d'autres encore, parce que, ouais, parce que ça, c'est sans fin même, à la limite. Ouais. Jusqu'à ce que nous mourons. Il les a fait juste un petit peu. Tu vois, regarde, juste rôti. Oui, regarde. Oui. Salé, poivré. Sur le sapin. T'as mis du beurre dans la poêle, c'est ça, Marc? Très peu de mal beurre, je le fonds l'air. Regarde. Moi, je vais le faire à la maison, ça. Tu vois, ça, tu mets les pommes de pain au fond, les sapins. Je mets un petit peu d'eau au fond, tu comprends? Je t'ai expliqué tout à l'heure. Pour la vapeur. La mousse. Mais c'est dingue, on ne peut pas imaginer qu'on va manger ça après. Ben si. On va mettre ça au four à 220, très fort. D'accord. 220, ça va vite. 220, ouais, c'est à fond. C'est rapide, on n'a pas le droit, c'est limité. On va le mettre en 130. On va le mettre 10 minutes. Natacha Saint-Pierre, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu, la chanson, ben voilà, c'était depuis toujours, hein, vous chantiez. Vous avez un album, mais vous suivez des cours d'infirmière. Voilà. Donc c'est intéressant. Elle a un album, elle est en spectacle, mais son rêve, c'est d'être infirmière, vous suivez les cours d'infirmière. Voilà. Et là, on est l'été. Donc, je ne suis pas en cours, on est l'été. Et je suis au Québec pour ma promotion d'album, je suis à Montréal. Et mon manager de l'époque, qui s'appelle Guy Cloutier, m'appelle et il me dit, ils ont besoin de quelqu'un dans Notre-Dame de Paris. La comédie musicale est déjà connue, elle a joué en France, ils sont arrivés maintenant au Québec, la tournée dure depuis déjà quelques semaines au Québec. Je dis, bah, OK, ouais. Et je m'en vais dans un endroit et je passe une audition devant Luc Plamondon et Richard Cochiante. Il n'y a qu'eux. Qui sont les créateurs. Il n'y a qu'eux qui sont là. Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. C'est beau. C'est Richard Cochiante. Ouais. J'adore ce compositeur, qui est le compositeur le plus difficile avec qui j'ai travaillé. Il est incroyable. Parce qu'il a écrit une mélodie et il faut se tenir à la mélodie. Il est très bon. Avec lui, j'ai appris à ne pas faire de vibe. C'est vrai? Là, je m'échappe. Non, c'est important. T'as appris à ne pas faire de vibe. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les chanteuses aujourd'hui font « Hey !» Et dès le deuxième refrain, la mélodie a changé et tout. Et Richard Cochiante, il dit « Tu sais, j'ai passé des jours à faire cette mélodie. Si je l'ai fait comme ça, c'est parce que c'est comme ça que je vais l'entendre. » Oui, bien sûr. Et on a la partition, il faut chanter la partition. Faites voir avec et sans qu'on se rende compte tous les noms. C'est quoi comme chanson, par exemple? Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. » Ça, c'est la partition. Si je fais « Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. » Là, c'est plus la partition. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire ça, c'est ce qui est beau. Et à l'époque, moi aussi. Mais il y a eu une époque où tout le monde faisait ça. C'est ce qu'on appelait les chanteuses à voix, en fait. On a l'impression... Non, c'est ce qu'on appelait les chanteuses à voix, entre guillemets, tu vois. On a l'impression que quand on fait ça, c'est vocalistes, quoi. On montre qu'on sait chanter. Oui, il y a un côté exhibition, quoi. Il y a un côté, je suis debout sur la table, regardez-moi. Et lui m'a appris à ne pas faire ça. Mais en fait, ce jour de cette audition-là, je chante devant eux, je suis un peu intimidée parce que Luc Plamondon, je sais qui c'est. Et je suis fan. Donc, créateur de Starmania. Et sachant que je suis timide à la base, c'est un dur moment. J'ai jamais passé d'audition de ma vie. C'est ma première audition. Je connais pas les chansons. Je les ai apprises en 15 minutes dans ma chambre d'hôtel. Et j'arrive à l'audition et je chante
les chansons. Et il y a Luc Plamondon qui vient me voir. Il parle tout beau comme ça, Luc. On dirait que ses dents ne bougent jamais. Et il me dit, t'as envie du rôle. Je dis, oui, t'inquiète pas. Et le soir même, je retombe à ma chambre d'hôtel et je me prépare parce que je dois rentrer chez moi au Canada. Et on m'appelle deux, trois heures après. On me dit, en fait, tu commences ce soir. Va vite au Théâtre Saint-Denis parce qu'il faut que tu apprennes les déplacements aussi, maintenant que tu connais les chansons. Patrick Fiori va t'apprendre ton rôle. Et du coup, je fais Notre-Dame de Paris. Vous avez quand même fait donc l'Eurovision, vous avez représenté la France. Ouais. Vous êtes arrivé elle est arrivée quatrième. Quatrième. C'est la première fois en 20 ans. 20 ans. Et quatrième, c'est tellement un échec dans votre tête que vous n'osez pas appeler vos parents. C'est le premier échec de ma vie. C'est la première fois de ma vie que j'arrive pas première. Ce jour-là, c'est pas un secret, j'ai fait une dépression. J'ai mis un an à m'en remettre de mon échec. C'est dingue. Je savais pas comment appeler mes parents. Ils étaient chez nous au Canada, ils pouvaient pas regarder l'Eurovision parce qu'évidemment, c'est l'Eurovision, pas c'est dans le nom, hein, ça se voit pas au Canada. Ouais. Il fallait que je les appelle pour leur dire que ben, j'étais quatrième. Donc pas sur le podium, quoi qu'il en soit. Même pas trois. Je voulais reparler d'échecs parce que vivre des échecs, on le sait, après coup, on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai appris dans l'échec. D'accord. Vous, c'était sur le tard, on va dire. Vous aviez vécu plein de choses avant de vivre l'échec. Vous, c'était dès le début, puisque l'homme qui est donc autodidacte, qui est devenu Marc Vera, qui a eu deux fois 20 sur 20 au Gomilieu, qui était le premier dans l'histoire de l'humanité à avoir 20 sur 20, trois étoiles au Michelin, etc., est viré de l'école hôtelière. Vous êtes viré de l'école hôtelière. Ouais, alors ça, c'est trop la honte. Non, mais ouais. Alors racontez-moi, c'était pour l'école hôtelière. Comment ça se passe? Pour l'école hôtelière, la scène. C'est exactement bah, la scène, ça. La scène, si vous voulez, c'est effarant, c'est un fardeau parce que. Attends, la scène, ça se passe où? Votre père est convoqué? Il est convoqué, mais moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. En fait, je sais que j'ai fait une bêtise. T'as fait quoi alors? Quelle bêtise? J'ai simplement brûlé les blouses des profs. Volontairement? Volontairement, puisque c'était. Ah, c'est une connerie, c'est pas parce que tu étais un mauvais élève. Non, si, j'étais mauvais élève. Nous étions cinq. Il y avait. C'est quelqu'un qui m'a donné l'idée, mais j'étais le plus courageux pour faire les bêtises. Donc, c'est moi qui ai pris le petit bidon d'essence de 2 litres. Ah oui, d'accord. Et je suis allé au milieu de la cour. Et les profs qui nous notaient mal, eh bien, on a brûlé les blouses. Et voilà. Enfin, c'est dit. Mais c'est un acte de rébellion, c'est bien. C'est un acte de rébellion. Et papa est convoqué, et le proviseur lui dit, écoutez, voilà, votre fils a fait une énorme bêtise hier, donc il est radié, c'est fini, il faut le ramener. Réaction du père. Mon père se lève, il est assis de l'autre côté. Il m'attrape, mais attention, t'as mis une taouane. Des mains comme ça. Des mains comme des bateaux. Il m'attrape, et le proviseur, mais une scène cauchemardesque. Le proviseur saute sur la taille de mon père, et mon père me saute dessus, et on dégringole tous les trois. Un truc de fou. Et puis il dit, non, mais écoutez, on va... Attendez, ne le frappez pas, etc. Mais en fait, il voulait pas me frapper, mon père. Et... Oui, il voulait faire quoi? Le mec, il veut tout pardonner à son père. Ben si, je lui pardonne tout. Et je repars avec la sentence du proviseur, que j'ai quand même encadré, n'est pas fait pour ce métier, doit prendre une autre orientation. Oh putain, ça c'est bon, ça. Et mon père me dit la chose suivante. Décidément, tu feras toujours honte à la famille. Oh putain. Alors là, je ne te dis pas. Parce que désobéir à ses parents, c'est un truc, c'est drôle. Oulala. Mais faire honte et décevoir ses parents, je vais te dire, c'est ici, atroce. Ça a été inscrit ici. Parce que je voulais faire de la cuisine. Donc, vous vivez cet échec, qui est violent. Hein, là, votre père qui, décidément, tu es l'honte de la famille. Donc, c'est pas tu es ma honte, c'est de la famille, tout entière. C'est vrai. Et deuxièmement, il y a un bluff dont vous n'avez pas honte, vous assumez à fond. C'est qu'à un moment donné, y a le petit gamin que vous êtes va bluffer. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui se passe quand vous passez cette auberge aux 4 étoiles? Parce que là, c'est comme dans un film, vous rappelez de Goodbye Lénine, le mec qui invente tout. Écoutez bien ce qu'il va inventer, pour faire croire qu'il est quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, suite... Alors, c'est un truc de fou. Ça va à une vitesse. Ça va à la vitesse d'un mirage. 17 ans. Un mirage l'avion, moi je pensais à un mirage... 17-18 ans, vous voyez. 17-18 ans, tac-tac. 20 ans, je suis chez mes parents. 21 ans, naturellement, esprit de liberté, je me marie immédiatement. 21 ans, l'âge majeur, sans l'autorisation des parents. Donc, tout est la conséquence de ce qui s'est passé dans le proviseur. Et à 21 ans, je peux enfin partir, mais je pars avec quoi de la maison? Avec rien. Ce qui s'appelle rien dans la vie, sinon que le regard de mes parents, de mes frères et de mes sœurs qui m'adorent, et je pars. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vais me réfugier à la Clusaz. Et vous faites la plonge au début? Chez une dame. Donc, je démarre d'en bas, il fait la plonge. Je fais la plonge. Et je me cache. Et le soir, je reviens chez moi. Et
Je ne suis que plongeur. Et j'ai envie de faire la cuisine. Mais je ne suis que plongeur. Et j'ai la chance, la deuxième année, c'est la deuxième saison, vous savez ce qu'il m'a dit. Il dit, ah, vous débrouillez pas mal, vous avez fait des petites tartes qui étaient bonnes, un petit potage qui était bon. On n'essayerait pas l'année prochaine, vous ne pourriez pas. Alors, du coup, je suis devenu chef immédiatement, puisqu'il était tout seul. Donc, j'ai remplacé de plongeur à chef. Et alors, le coup d'après, c'est le coup. Mais un coup le coup de, d'une vie, c'est un truc à la un coup de à la George Clooney, à la Ocean Eleven. Incroyable. Alors, donc, je mets une annonce dans le. Dans le. Pour ne pas le citer, le journal local, le Dauphiné. Et l'annonce dit la chose suivante. Jeune chef travaillant avec trois collaborateurs. Qu'il invente donc. Qu'il invente. Bah, la cherche... patronne et celui qui fait la vaisselle. Voilà. Cherche place. Un coup de fil arrive, un type terrible. Parle-moi comment ça. Il appelle la patronne. Lui, il a quand même un 4 étoiles. Et je vais le voir. Alors l'histoire est incroyable. J'arrive. Il me dit, bah, écoutez, voilà. On va faire venir 2 ou 3 fois pour... Et il m'a dit, bah, écoutez, vous commencez tel jour. Je vois l'hôtel, 40 chambres. Mais dis, on est combien en cuisine? Ah bah vous êtes une douzaine. Mais dis, vous êtes bien jeune. Vous avez, vous avez menti sur votre âge? Ouais. Oui, je suis jeune, effectivement, mais j'ai 27 ans. Il me dit, c'est jeune. T'as quel âge en vérité? Ben, j'ai 21 ans. Il me dit, j'ai 27 ans. Et le problème, c'est qu'à l'époque, on est payé en liquide. Et il me demande, au 1er mai, quand je commence, mon numéro de carte de sécurité sociale. Avec la date de naissance. Avec la date de naissance, naturellement. Alors, je repousse pour la donner. Et au mois de juillet, il vient en cuisine. Et à ce moment-là, il s'énerve et dit, écoutez, chef, on ne peut plus attendre. Ça fait 4 mois que je vous demande votre numéro de carte de sécurité sociale. Ça serait maintenant, c'est obligatoire tout de suite avec les fiches de paye. Mais on avait les fiches de paye 6 mois après. Et là, j'étais obligé de lui donner. Réaction? Il me dit, vous avez raison de me mentir, hein, parce que je vous aurais jamais pris. Mais il dit, chef, je vous ferai une autre confidence au mois de septembre, donc continuez. Et le seul compliment qu'il m'ait fait, c'est ce fameux mois de septembre, fin septembre. Il m'a dit, chef, il faut que je vous donne mon affaire. Pas mal. Et je lui dis, non, sérieux. Je veux monter la mienne. Je vais essayer de monter la mienne à la Croix-Frie. Et à ce moment-là, le plus beau compliment que je n'ai jamais eu dans ma vie, c'est que M. Rioux a versé ses larmes. Qu'est-ce que c'est le... Qu'est-ce qu'on retient de... J'ai envie de dire, quelle est la morale de l'histoire, sur l'histoire du bluff, du mensonge, de cet autodidacte, tout le moment, un tout petit peu. Ouais, bah on a... C'est osé on a... aussi, peut-être, non? C'est bien, je trouve. Ouais, c'est osé, mais c'est plutôt positif. Oser réussir, ouais. C'est parce un risque que... calculé, quand même. Mais parce qu'il sait, c'est qu'on a une foi dans ce qu'on fait terrible. C'est-à-dire que Marc, comme nous, on croit qu'on est vraiment fait pour ça, donc... On force le destin un peu, on détourne les... Mais faire ça, c'est comme... ouais, c'est une façon C'est mentir comme toi ou comme moi quand on a fait notre premier film. Enfin, mentir dans le sens où on est censé tout connaître du cinéma quand on fait un film et quand on dirige 50 personnes sur un plateau. Et que les techniciens qui ont déjà fait 25 films... Ah voilà, c'est la même histoire. Ils vous regardent et qu'ils vous disent la caméra, on la met où? Bah, écoute, laisse-moi encore 30 secondes. Et là, t'as une sorte d'angoisse qui monte comme ça, tu vois, et tu te dis... Et puis après, tu prends le geste que t'as vu à la télévision, hein, tu sais, tu vois, tu fais, bon, écoute, tu vas me la mettre là. Ça, c'est fait la caméra. Ouais, tu vas me la mettre là, et puis je vais au combo, hein, d'accord. Et là, t'es dans le combo, tu fais, c'est bien, tu sais pas, tu mens. Je crois que c'est universel, parce que quand tu veux faire ton métier et que t'es passionné, tu dois, à un moment donné, oser passer le cap. T'as un cap à franchir. Bon, maintenant, je suis désolé, mais faut, à un moment donné, faut manger, oui, faut se nourrir. Alors, justement, on est autour de... Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste. C'est mis en scène, là. Regarde les mousses, si c'est beau. Regarde les mousses. Ça sent la mousse. Super bon. Et tu sens la forêt, là? Mais on va manger ça, non? Sur la forêt, la vanille. T'as vu les pommes de pin, au fond? C'est magnifique.
Vous avez vu les pommes de pain? L'odeur est dingue. Rien, les pommes de tu pain. Tu veux les pommes de pain, elles interdisent la viande de toucher l'eau. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Parce qu'on ne sait pas quoi faire, là. J'arrive dans deux secondes. Vous ne sommes prêts? Tu veux que je t'aide à servir, peut-être? Si tu veux, Natacha. Alors, Natacha, qu'est-ce que tu veux, Natacha? Qu'est-ce que ça tirait bien, les cheveux, sans déconner? Est-ce qu'on a des cuillères creuses, les enfants? Des cuillères creuses? C'est quoi, des cuillères creuses? Il y a des fourchettes plates. Il y a des... Natacha? Natacha? Arrêtez, vous nous faites peur, les gars. C'est pas drôle. C'est pas marrant. Déjà que la maison est conçue sur un ancien cimetière. C'est pas drôle. Allez, c'est pas drôle, venez. J'ai mis mon chapeau. Qui est magnifique. Ah. Do Brasil! Oh, Rosetta, Magenta, Flamengo, Gazelle, Chiquibon, o Marc Verrat, super cuisine française, très bon, j'adore! Oh, Marc, do Brasil, futebol, anel! Oh là là, Nedim! Mais Marc Verrat, au Brasil, c'est énorme! C'est le Ronaldo de la cuisine, alors! Non! Une perruque en sketch! Une perruque en sketch, c'est ça! Mais oui, c'est ça! C'est une ligne éditoriale pour tu vois, tout de suite, elle a inspiré le Brésil! C'est fou! Hein? Alors, c'est magnifique! Pas pourquoi. Alors, faut pas, cherchez pas! Tiens, regarde, attends, je vais te alors, ça, mais alors, il est dingue! Ah oui! Là, je t'ai attends, fait regarde. Un truc! Qu'est-ce que t'as fait? Non. Tu remplis l'œuf? Voilà. Peux le faire ou pas, Marc? Oui, oui, au centre, ou piqué au centre, dans regarde bien! Dans le jaune! Celui-là, il est bien piqué! Eh, je suis super doué, je crois! Faut pas tout mettre! Ah, faut. Merde! Si, si! Faut la partager en trois! Faut la partager en trois! Alors tu vas voir, il y a deux goûts, de l'astringence, du sucre et du sel. Et de l'oxalis, naturellement. Oh là 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 là. Tu as cette fraîcheur? Je sais pas quoi dire si on me demande la fraîcheur. Non, je sais pas quoi dire si on me demande ça a quel goût. Voilà, je sais pas quoi dire. C'est impossible de décrire. C'est merveilleux. Ah oui, c'est incroyable. Merci Marc. Non mais tu vas voir, le suivant c'est pas mal aussi. Ah, tu verras. Il s'appelle Marc Verrat. Tu verras. Il fait pas n'importe quoi. Tu verras. Il s'appelle Marc Verrat. Tu verras. Et c'est un grand chef. Tu verras. Attends, on a Marc Verrat qui cuisine à genoux pour nous dans notre oui. salon. À genoux pour vous et vous le méritez bien. Ah, oh, c'est beau ça. J'ai l'impression de manger un garde forestier, là, non? C'est pas... Bon, écoute, il était jeune, hein, c'est 23 ans, il venait de s'installer avec sa famille. Dans une maison un peu plus loin, là. Vous le sentez, là, la forêt, là? Ah, oui. Vous sentez la casquette? Ok, t'es dans une autre dimension. Une perruque, un sketch. Merci. Ah oui, t'en as plein. Ah oui, ils ont mis plein de perruques. Là, t'es gay. T'es forcément gay. Mais c'est marrant, parce que ça, on en avait avec des perruques comme ça, mais à deux balles, parce que c'est ce qu'on avait à Comédie, le même genre de perruque. C'est-à-dire... Aucun... Non mais ouais. Ça qui est génial, c'est que tout à l'heure, vous êtes rencontrés à la radio. Ouais. Et ensuite, vous arrivez à la télévision par la grande porte, en fait. C'est Jean-Luc Delarue. Ouais. C'est Florian Gazan qui nous entend à la radio et qui dit à Jean-Luc Delarue, tu devrais aller voir ces deux mecs. Mais à partir de là, il est venu nous voir, il nous a dit, bon, bah, on pourrait peut-être essayer de travailler ensemble, quoi. Et on est passé de l'univers de la radio indépendante parisienne... Un peu punk, hein. Un peu punk, un peu rock, à l'univers... Le service public, France 2. Heure de grande audience, 19h le dimanche. Voilà. Ouais. Puis l'image, quoi. L'image nous a attiré. On avait fait beaucoup de radio, 5 ans de radio. On s'est dit, mais attends, peut-être qu'on va avoir l'opportunité de faire nos sketchs à la télé. Mm-hmm. En image, de mettre en scène. C'est ce qu'on a fait. Marc, est-ce que vous connaissiez à l'époque ce qu'il est, bah, leur sketch culte, leur humour, qui était un peu débridé? Vous avez connu ça? Bien sûr. J'ai connu ça et j'ai suivi ça de près. C'est que j'ai des insomnies la nuit et. Sur Comédie, il y a des anciennes émissions qui repassent. Alors, on regarde un excellent ensemble. C'est genre d'humour. Comédie Musique s'enflamme pour un tout nouveau chanteur, Jean-Michel Voitchiot. Jean-Michel Voitchiot, n'importe quoi, les looks qu'on avait. Une perruque, un sketch. La 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 la, la 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 la, la 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 la, les oies se vont autour de moi. N'importe quoi. C'est de l'impro, hein. C'est de l'impro, hein. Et on se marre. En plus, on se marre de nos conneries. Retrouvez ce soir Jean-Michel Voitchiot au cabaret de la femme saoule avec en première partie Jean-Guy Sature. Et à la perruque, on l'a retournée. Pourquoi
pourquoi c'est toi et c'est pas moi? Si c'est vrai qu'il y a des fois, je ne peux pas emporter. Moi, ce que j'aime, c'est non, ce que j'aime, c'est fait à deux balles. Ouais. Non mais franchement, les paroles, on les improvise. La perruque, on la retourne pour faire deux personnages. Non mais c'est génial. Et on est en direct. C'est un show. Moi, j'ai vu des tas de gens me faire des sketchs de vous. Ouais. Je n'avais pas vu. Ouais. C'est assez fascinant, ça. Écoute, comment vous... c'est... Alors, tu sais que pour le coup, c'est Internet, beaucoup, finalement. On a failli, pendant un moment, tu sais, retirer. On l'a fait un peu, mais on l'a failli retirer tout ce qu'on avait fait, qui était sur Internet en téléchargement illégal, enfin... YouTube, tout ça. Parce qu'on est YouTube, d'accord, là, il n'y a plus de respect de droit, de ah bah non, mais là, les sketchs... on s'est dit, non, on ne va pas le faire. On a laissé beaucoup de choses, et finalement, on ne le regrette pas de l'avoir fait, parce que ça a contribué à ce qu'une nouvelle génération de gens découvre ce qu'on avait fait sur Comédie. Les gamins. S'il n'y avait pas Internet, je pense qu'on serait déjà derrière. Ouais, on serait déjà. Mais c'est vrai. Ouais, on serait plus là. Il y a les donc tout ce qui est culte, et puis le cinéma, comment ça se passe en fait? C'est un peu en parallèle, parce qu'évidemment le grand public a eu l'impression de découvrir Kadmerad dans Les Choristes. C'était le premier film de Christophe Baratier. Ça c'est, on va dire, c'est un peu un coup du hasard, du sort ou de la chance ou de la je sais pas. Christophe Baratier, c'est un ami. Et Olivier le connaît aussi. Et il aimait bien nos sketchs, Christophe. Et c'est un copain. Il était à l'époque producteur avec Jacques Perrin, c'est le neveu de Jacques Perrin. Ils ont produit Microcosmos, donc c'est un producteur. Et il me dit un jour, je voudrais réaliser mon premier court-métrage. Est-ce que tu veux bien faire un truc dedans? Je fais son premier court-métrage. Il trouve que j'ai quelques qualités d'acteur, voilà. Et puis un jour, il me parle de son premier film, un remake de La Cage aux Rossignols. C'est la même histoire que Les Choristes. C'est mon premier film. Et c'est vrai que Les Choristes sont devenus ce phénomène de société, quand même. Un film qui a fait le tour du monde. Qui a fait le tour du monde et qui a remis au goût du jour les chorales. Tous les mômes se sont apparus des chansons. Mais c'est beau, ce genre d'histoire, évidemment. Ben oui, parce que à partir des Choristes, pour juste la faire rapide, quand même, parce que c'est long. Hein, non, ça a déclenché j'en ai fait choses. Des films. Mais c'est pas ça, c'est que Les Choristes étaient nominés au César. Et la soirée des Choristes, je rencontre un bonhomme. Et c'était Philippe Lioret, que je ne connaissais pas. Il me dit, je voudrais vous parler d'un film. Il dit, je vous ai vu dans Les Choristes. Tu vois, donc, c'est là où... Ça se déclenche, t'a servi, quand même. C'est comme ça que ça démarre comme ça. Lioret, donc, ce garçon qui vous rencontre, il fera quel film avec vous? Je vais bien, ne t'en fais pas. Donc, il est votre premier film dramatique? Oui, il a un premier rôle très, très dramatique. Surtout qui vous rapporte un César? Oui. C'est vrai que le film de Lioret, voilà... te fait rentrer dans une autre catégorie. Bon, vrai que les Césars, on va les regarder. Même si c'est pas pour moi, attention, les Césars, je suis très content. Si j'en ai un autre, je serais content aussi. Mais je veux dire, c'est pas une fin en soi, pas une fidélité non plus. Mais j'aimerais que vous nous racontiez ce que vous avez ressenti ce jour-là. Le César est attribué à François Cluzet. Dany Boone aussi. François Cluzet, Dussolier, Guy Marchand, écoute bien. Kadmerad, dans Je vais bien, mais t'en fais pas. Olivier, qu'elle a les larmes aux yeux. Non, j'aime pas regarder ça. Oh, il pleure. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est très gentil. Bonsoir. Où est Olivier? Il est là, Olivier, non? Non, j'ai besoin de mon mari. Enfin, mon ex-mari. T'es là, Olivier? Je suis là. Ah, d'accord. Ah, t'es loin quand même. Hein. Mon ex-mari, parce qu'avant de m'appeler Mérad, je m'appelais Olivier, donc voilà, donc je voulais quand même le saluer, parce que sans mon ex-mari, je ne serais pas ce soir avec vous, parce que voilà, et puis en plus, c'est pas terminé, et loin de là. Tu vois, c'est pas terminé, loin de là. C'est ça le plus important, que je trouve, qu'à chaque fois que je revois, je me dis, je suis plutôt, voilà, je suis content d'avoir pensé à Olivier tout de suite, parce que c'était vraiment pour moi la première personne que je voulais remercier. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il y a un gros plan sur vous. Ben oui. Un très gros plan, la télévision n'a pas raté ça. Ouais. Vous avez les larmes aux yeux avant qu'il parle de vous. Oui, bien sûr. Non, parce que vous ressentez quoi à ce moment précis? Bah, je suis super content, c'est mon pote, je le vois, il réussit, il voulait faire ça. S'il m'avait dit je veux faire plombier, je dirais oh putain, c'est injuste. Mais il m'a toujours dit je veux être acteur. Et voilà, et je le sens, et je le sens. Je ne dis pas je veux avoir un César. Non, mais je sais, je le sens, tout le monde le sentait. Quoi. Et dans une carrière, toujours on parle du petit mec de Rhys Orangis. Mais je ne suis pas mort encore, hein, attention. On parle du petit mec de Rhys Orangis, et on parle justement du regard d'Olivier quand il fait... avec Dany Boone, 20 millions d'entrées avec les Ch'tis. Et il ne pouvait pas l'imaginer, puisque personne n'avait jamais fait dans l'histoire de France. Qu'est-ce que vous ressentez pendant cette espèce de phénomène? C'est un phénomène, c'est même plus un film. On est ensemble. Alors, on est ensemble et on est en Afrique du Sud, en fait. Comme en train ça, de tourner. C'est cool. En train de tourner. Donc, on le voit de vraiment très loin. Ah ouais. Et Kad me dit, le matin, en arrivant sur le plateau, il me dit, bon, les Ch'tis, là, bon, 5 millions.
C'est ça, hein? Ouais, ouais. Bon, ça, c'est énorme. 5 millions. Et puis, bon, 3-4 jours, une semaine après, bon, 8 millions. Mais c'est dans la conversation normale, quoi. Oui, et je dis, bon, putain, pas génial. Il n'y a pas de triomphalisme, tu vois. On bosse surtout, on bosse. On est en train de tourner Safari. Et c'est seulement à la fin qu'on comprend, vers la fin du tournage, mais un peu avant d'ailleurs, que ça fait 20 millions. Et là, Kat comprend qu'il va devoir rentrer. Et qui va devoir affronter le tsunami. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, de comédiens, ni en France ni ailleurs d'ailleurs, qui ont vécu ce phénomène. Non, je crois que là, les images qu'on voit, c'est à Lille, c'est pour fêter les 20 millions. Oui, bah on est, ça y est, là, les 20 millions sont faits. Moi, je suis rentré d'Afrique du Sud. Donc. Mais là, tu vois, par exemple, c'est pas. Là, je suis pas super à l'aise, moi. Alors, on va voir. En fait, regarde ça. Ah, purée. On est sur la place à Lille. Selon la préfecture, plus de 60 000 personnes ont participé hier soir à cette ch'ti party. Danny Boone ou encore Kadmerad ne s'attendaient pas à un tel accueil. Je suis sans voix. Quand vous étiez sur le balcon, vous attendiez pas à toute cette foule ce... Non, et dans les rues, et là, au Champ de Mars, non, c'est... On le voit qu'il est abasourdi, hein. Ah ouais, non, mais c'est énorme. Je voulais pas que Kad vienne, en fait. C'est qui? Je connais, c'est qui? C'est qui? On s'est vu quelque part, c'est non? C'est extraordinaire. Et encore une fois, ça me permet de remercier toute l'équipe du film, toute l'équipe du film. Je vous aime. C'était à la fois extraordinaire, mais en même temps, t'es un peu gêné. T'es gêné de cet énorme truc. C'était énorme, vous vous rendez pas compte. Ouais. Depuis, les gens sont extrêmement fiers de dire qu'ils sont ch'tis. Alors, moi, je voudrais continuer les parcours des uns des autres. Et Natacha, donc, il va y avoir une rencontre importante pour vous. Là aussi, c'est les rencontres, n'arrêtez pas de parler de ça. Hein. J'ai envie de dire, c'est ce que je vais retenir, moi, de tout ce que vous racontez, c'est être très attentif à qui on rencontre. Bah, dans tous les métiers, je pense. Et oui, s'appelle Pascal. Oui. J'ai rencontré Pascal Obispo sur un plateau télé. Et je le connais un peu de nom. Je connais Lucie qui tourne à la radio, que j'entends un peu de temps en temps. La chanson. Ah oui. Pas plus que ça, je suis fraîchement arrivée, quoi. Et Pascal frappe à la porte de ma loge. Il dit bonjour, je m'appelle Pascal Obispo. Et je sais pas trop quoi lui dire parce que je suis intimidée. J'ose pas lui montrer que je connais pas toutes ses chansons parce que ça me gêne de pas tout connaître. Parce que je rappelle que vous venez d'un pays qui est pas francophone, en fait. Je viens du Canada anglophone. Certes, on est francophone, mais on connaît pas encore Pascal. Maintenant, il est connu, mais quand je suis arrivée, non. Et du coup, il m'invite à aller chez lui écouter des chansons. J'ai pas super envie d'y aller, pour être honnête. J'ai envie de me coucher, de faire ma valise. Mais bon, il m'invite, c'est quand même génial, c'est une chance, mais je le réalise pas. Et on y va, et il me fait jouer des chansons dont tu trouveras. Et j'ai un coup de cœur pour cette chanson. Ouais. C'est quoi, vas-y, chante. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. Ah ouais, très belle chanson. J'ai un coup de cœur pour cette chanson, et je me dis, allez, vas-y, fais un autre album. Et c'est comme ça que je fais un album, et on a une collaboration qui est dure avec Pascal, parce que Pascal, il est exigeant, très, très exigeant. Je pense que c'est là que j'ai appris... à être forte parce que il le fait bien, il est assez pédagogue parce qu'il sait quand me pousser et il sait quand ça sert plus à rien ou quand c'est trop. Ou... Il arrive, je pense, à me jauger mieux que moi-même. Il me fait pleurer des fois tellement j'en peux plus. C'est un jour, on est en studio, il lit l'équipe comme ça et je chante et il plie son journal en deux, il fait non, c'est pas ça, recommence. Et il continue à lire, non, c'est pas ça, recommence. Et ça dure, mais ça dure super longtemps. Et je sais plus comment le faire, je sais plus comment le chanter, je sais pas. Et il décide de venir me montrer. Et là, il chante les Tu trouveras dans le souffle. Moi, j'arrive du classique, j'ai une formation de chanteuse lyrique. Je sais pas chanter avec de l'air dans la voix. Et il chante les Tu trouveras, et au lieu de faire Tu trouveras, il fait Tu trouveras. Toute la subtilité de la chanson. Et j'ai mis longtemps à apprendre à faire ça. Et du coup, comme j'y arrivais pas, ben, on a gardé sa voix sur l'album. On regarde le clip. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. Mes faiblesses. Ce que j'avoue qu'à demi-mot. À demi-mot. Mais faut pas mes maladresses. Maladresses. C'est de l'amour plus qu'il en faut. Plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Quand je le rencontre, Pascal, moi, je suis une technicienne. Mais je chante pas du tout dans l'émotion. Et c'est Pascal qui m'amène ça. Énorme tube qui, bah, pour un chanteur, c'est important de faire des tubes. Hein. À ce moment-là, vous êtes motivée à quel point? Parce que quand on vit un succès alors qu'on n'avait pas décidé de faire je un album... Je réalise pas que je vis un succès. Parce que comme beaucoup de gens, quand on vit un succès, on travaille beaucoup. Je m'en rends compte maintenant, depuis 2 ans, parce que les gens me parlent encore de cette chanson-là. Ouais. Elle a
plus de 10 ans maintenant. Et on m'en parle encore, je la chante encore. Si je la chante pas, les gens sont déçus, un spectacle. Et du coup, aujourd'hui, je réalise plus le succès que j'ai connu et ce qui s'est passé pour moi. Alors, il y a un petit message personnel de Pascal Obispo. Écoute, Natacha, je te souhaite beaucoup de chance pour ton album. J'ai appris que tu sortais un album, il s'appelait Bonne Nouvelle, voilà. Écoute, je t'embrasse et puis j'espère qu'on se recroisera bientôt, voilà. Moi, tu sais, j'ai changé de vie, j'ai changé de métier. Bon, à bientôt. Il se moque un peu de vous qui vouliez changer de métier en permanence ou bien c'est peut-être, ça je sais pas. Un petit message. Oui, je moque un peu de lui aussi. Je vais chercher un peu d'eau si vous permettez. Ouais. Vous ne réalisez pas le succès que vous avez. Non. Et puis à un moment donné, bon, on a parlé effectivement des Césars. C'est peut-être pas le plus important, mais il y a une victoire de la musique. Ouais. On attend 4 pour voir okay. L'extrait. Victoire de la musique de Natacha Saint-Pierre. Oh non, je dois chercher de l'eau. Alors. Michel, j'ai la réponse. Natacha Saint-Pierre. Révélation de l'année. Sa première victoire de sa carrière. Elle a 21 ans seulement. Ah ouais. Ah ouais. C'est le public donc, qui a voté pour elle. Eh. Quelle voix en masse. Elle est donc, eh. Ce n'est pas la première ni la dernière québécoise que nous récompensons. Eh bien voilà, c'est ta première. Tiens. Wow. Le Québec te regarde. Oui, bonjour le Québec. Les Acadiennes, les Acadiens en direct. Non, je voudrais commencer par remercier le public parce que c'est grâce à eux que je suis là ce soir. Merci. Là, on l'a au Zénith. Là, c'est en direct à la télévision. Et ça a inspiré plein de gens parce qu'ils ont voulu prendre la même coiffure. C'est la même coiffe que moi. Je prends les mains et mes tendresses. Je sais pas, je vois. Et quand tu l'enlèves, tu peux faire Pascal. Voilà. Tu peux faire. Tu trouveras. Lucie, nomme-moi. Mais qui l'imite super bien, ou pas bon. Tu vas être content, Pascal. Est-ce qu'il y a un avant, un après? Il y a un avant, un après, mais que je réaliserai que bien après. Mais dans votre tête, il y a une histoire de légitimité quand même. Oui, parce que je suis pas chez moi en France. Tout le temps en interview, on me demande. Est-ce que vous n'avez pas peur que le public soit un peu saoulé de tous ces chanteurs québécois qui nous arrivent? Et j'y avais pas pensé, mais à force qu'on me le pose, je me dis, bah si, j'ai peur. Et si, j'ai pas répondu aux attentes qu'on avait. Du coup, est-ce que je suis légitime dans ce milieu-là? Est-ce que je suis légitime dans ce pays-là, tout court? Donc ça me rassure. Ça me rassure. Donc succès, plusieurs albums, etc. Puis une émission de télévision. C'est ouais. Présenté par Laurence Ferrari à l'époque, ça s'appelle Vie ma vie. C'est des artistes qui vont essayer une autre vie. Et là, vous essayez le métier d'infirmière. Ouais. J'ai dit, voilà, c'est ma chance, quoi. J'ai vécu un truc hyper fort là-bas. On voit un petit extrait de ça. Ça durera pas encore longtemps, la douleur. Vous avez fait le plus gros. Hein. C'est vous, Natacha Saint-Pierre? Oui. Ah, vous êtes trop connue. Qui c'est qui vous a dit ça? Qu'est-ce que vous faites ici? C'était le métier de ma maman. Et donc là, je fais le métier de ma maman. Moi, je fais pas les gros soins parce que je suis pas de formation, mais je suis là pour réconforter les gens. C'est bien. C'est un beau métier, hein. C'est pour montrer comment elle travaille bien. C'est un des plus beaux. Ça fait mal quand on touche votre pied? Vous voulez serrer ma main? Prenez ma main et serrez. Aussi fort que vous avez mal, si ça vous aide à vous soulager. Je vais passer de l'autre côté. Waouh, waouh, waouh! Ça pique, là. On va attendre un peu, alors. Natacha Saint-Pierre qui me tient la main, alors, ça. Ah, tu le fais, hein? Dans son jardin, elle était tombée d'un escabeau. Elle a une fracture ouverte du tibia. J'ai mal pour elle. Oh, je suis bien quand je fais ça. Vous vous rappelez de votre ressenti? Ouais, quand je suis infirmière, je suis bien. Bon, je me sens bien, ça vous voulez dire? Ouais. Donc cette émission de télévision, vous vous sentez tellement bien que ça vous perturbe, ça vous bouleverse à quel point? Ça me perturbe au point que j'ai 25 ans et je décide d'arrêter de chanter. Et j'arrête pendant un an. Je vois plus personne, je fais pas de disques, j'écoute pas de musique, je voyage. Donc je fais plein d'autres choses et je réfléchis parce que j'ai l'impression que j'apporte rien aux gens dans mon métier et je veux aider les gens. Et un jour, je me rends compte que finalement, c'est très égoïste. Ce que je veux, c'est pas que j'aide pas les gens quand je chante. Je les aide, mais je le vois pas que je les aide. Et quand je suis infirmière, je le vois que je les aide. Et finalement, c'est assez égoïste ce pourquoi j'ai besoin d'être infirmière. C'est pour voir que j'apporte quelque chose,
ce que je vois pas avec la musique. On pense tous, je crois, à des moments où on aimerait être quelqu'un d'autre et faire autre chose. Hein. Peut-être toi, c'est encore là, plus c'est persistant. C'est pas quelqu'un d'autre, hein, parce qu'avant, j'ai été Natacha Saint-Pierre, la chanteuse. Aujourd'hui, j'arrive à être la femme et la chanteuse en même temps. C'est la même. Ouais. Mais pendant longtemps, ça n'a pas été la même. Là, aujourd'hui, j'ai qu'une seule personnalité. J'ai plus de problèmes, je prends plus de médicaments, tout ça. Et... médicaments? Non. Du coup, par contre, infirmière, ça fait partie de moi aussi. Donc, je me suis inscrite au CNED en janvier. Le cours par correspondance. Ouais. Non, mais attends, énorme, hein. Ça serait unique, hein, en fait, en même temps. Ça serait unique dans l'histoire de la variété française, en tout cas. D'avoir une chanteuse qui est infirmière en même temps. Hein. Ouais. Enfin, c'est unique, en tout cas. C'est quand même unique. Alors, Marc, quel âge vous avez quand vous avez... Donc, c'est quoi? Ça commence par le 20 sur 20 ou sur les étoiles? C'est la première. Ça commence par les étoiles, mais les étoiles Michelin, etc., les 20 sur 20... 20 sur 20 au Goemio, hein, ouais. Et vous êtes le premier, c'est ça? Oui, il y avait tous les chefs, il y avait énormément. Oui. Dans l'histoire du Goemio, vous êtes le premier à avoir 20 sur 20. Il n'y en a jamais eu d'autres. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Et moi, je pense que l'erreur du guide Goemio, tous les chefs étaient à 19. Enfin, les meilleurs étaient à 19. Ben oui. Et vous auriez aimé avoir quoi, alors, du coup? Bah 19,5, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Mais pas 20. On nous mettait 20 sur 20. Moi, j'ai des clients qui sont arrivés, que j'ai virés, hein, qui avaient des sous, qui avaient tout ce qu'il fallait. Ben, peu importe. Ils sont arrivés en disant, « Ah, c'est vous le chef dont on parle. On va voir si la perfection est de ce monde. » Je dis, « Monsieur, raté. » C'est même pas la peine de prendre l'apéritif, repartir. Et j'ai eu un scandale, j'ai eu l'être recommandé. Ça m'est pas arrivé qu'une fois. Mais c'est pratiquement insupportable. Marc, et je sais que ça va être compliqué de faire la transition, mais c'est bien de voir deux moments de vie complètement à l'opposé. Vous avez fait la une des journaux, parce qu'à un moment donné, on découvrait que vous aviez été piégé financièrement. C'était... Tous les matins, 20 000 euros, non? 4,5 millions d'intérêts par an. Donc en fait... Impossible. Non mais ça... Alors, attendez, on écoute comment ça a été annoncé à l'époque. Vous nous dites comment vous l'avez vécu. Ah oui, dans tous les journaux télévisés. Je me souviens de ça, moi. Je m'en souviens, oui. Je suis comme tous les jeunes qui ont investi dans les années 90, dans les années économiques difficiles. Et aujourd'hui, on a de la peine pour faire face à la situation économique de nos établissements, c'est évident. Je pense que si on n'arrive pas à trouver une solution, j'ai sincèrement envie d'arrêter. Je ne suis pas amer, mais vous savez, je suis comme une bête blessée depuis très longtemps. Et à force d'être blessé, eh bien, cette blessure ne se cicatrise plus. Et puis le pire s'entraîne. Mais il s'est passé quoi? J'ai pas compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un montage financier hallucinant de la banque qui nous a mis en difficulté avec des taux d'intérêt à 15,75. Voilà. Nous n'avons jamais déposé le bilan et nous avons continué. Mais je peux vous dire que j'étais très blessé. Hein. Ça sent sur le visage. Ouais. J'étais blessé. Mais vous savez, c'était le regard des autres qui se détournait. C'était mon papa. Il dit, dis donc, je t'ai vu pendu par les pinces à linge dans les journaux. Ils vont pas te mettre en prison. Quand on touche son papa, tu vois, oui, mais surtout Caramé, qui est un paysan, tu vois, le mégot au coin du bec, qui va chercher son gris au bureau de tabac, qui te voit avec des pinces à linge, tu sais, les journaux, quand ils les mettent, des pinces à linge, qui comprend pas, mon papa, un bilan, un truc, et qui te dit, ils vont pas te mettre en prison. Mais tu t'imagines? Eh ben ça... Ça rend un combattant de la première heure. J'ai dit, non, papa, l'éducation que tu m'as donnée, ils ne me mettront pas en prison, parce que je n'ai rien fait de mal. Il y a une chose dont je me souviendrai toute ma vie, dis toujours la vérité, c'est ton honneur qui sera affranchi, c'était mon père qui me le disait. Là, c'est un enseignement, ça. Maintenant, ça m'a libéré. C'est un enseignement. Mais comme quoi, les jeunes, n'ayez pas peur. J'ai toujours peur. Les jeunes qui débutent, n'ayez pas peur. Les finances, il faut les posséder, mais c'est secondaire. Ce qui est principal, c'est votre cœur et votre passion. Finances, après. Grand débat. Hein? Grand débat, là. Ah ouais. Exactement. Et si on allait bramer? Alors, est-ce que tout le monde est d'accord pour aller au Brame du Cerf? Il n'est pas trop tard pour bramer, là? Non, c'est je crois qu'on est... Tu sais quoi, le Brame? Mais je comprends pas. Alors, le Brame du Cerf, expliquez, parce que vous connaissez, vous. Et le Brame du Cerf, tu connais pas le Brame si, non, mais ils vont bramer, là, maintenant. Ben, ils brament, là, en ce moment, c'est la période où ils brament. Et donc, il y a quelqu'un qui nous attend dans la forêt, qui connaît un petit peu ça, qui va nous amener aux bons endroits. Là, maintenant? Pour entendre là, maintenant. Oh, mon Dieu, mais on va se coucher à quelle heure? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Une réunion de... C'est ce truc dans la forêt. Ouais, c'est le... Ah, voilà le monsieur. Quel monsieur? Il y a un monsieur qui vient.
Mais il vient d'où? Il vient d'où? Mais il vient, il sort de la forêt. Mais il est flippant, regarde. Oh mon Dieu. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mais... Enchanté. Enchanté, Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, Olivier, enchanté. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Georges Clooney, enchanté. Bonsoir. Ça marche toujours, hein. Okay, on vous suit? Oui. Et mais parce que Kadmirat l'a déjà vu, enfin, l'a déjà entendu, et il dit que ça fait, c'est un peu comme Jurassic Park, vous confirmez? Vous marchez, vous entendez rien, d'un seul coup, il y a un beuglement à côté de vous, ça peut faire... Ça peut faire un peu peur. Oh, c'est quand même impressionnant. Il y a... ah, c'est impressionnant. C'est... en forêt, il fait noir. Ouais. C'est un dinosaure qui bug. C'est le cri du mâle, quoi. Oui, c'est le mâle qui appelle la femelle. Est-ce qu'il faut chuchoter ou pas? Oui, de préférence. Alors, on chuchote. Là, on est en bord de route, ça va, mais dès qu'on va rentrer en forêt, on va mettre un pont en dessous. Ok. On va marcher tranquillement, sans faire trop de bruit. Il y a des ogres, des trucs comme ça ou pas? Il n'y en a plus. Bon, ben, vous suivez alors. Suivez-moi. On voit rien en plus. Et si on tient là, sur nos têtes, on voit pas nos pieds. Ah ouais, c'est mieux de le tenir comme ça, t'as raison. J'ai pas peur, c'est ça qui est bien. Non, sans déconner, ça me fait rien, moi, la forêt. Est-ce que je propose qu'on s'arrête, qu'on fasse une pause? Oui. Qu'on écoute un peu, on aura certainement la chance d'entendre à distance respectable un serrouteau barman. Il y a ici quelqu'un qui empêche le brame du ciel. Donnez-moi la main, tous. C'est bon. Il y a un problème. L'enfant de Saint-Thomas. Les derniers qu'on a entendus, c'était avant-hier soir, ici. C'est pour ça que je vous ai amené là. Parce que je sais qu'il en ramène encore hier soir, mais... Avec une petite pièce, non, il ne bramerait pas. Hein. C'est ça. Pour ton futur carré d'agneau chez toi, c'est tout ce qu'il faut. Mais... Il ramasse la mousse. Mais il est à fond, Marc. Lui, c'est pas possible. Ah oui, hein. Bah, c'est exactement ça. Hein. T'es endormi. Non, pas du tout. Chut, tais-toi. Écoute. Moi, je dormirai pas dans la forêt, quand même. Hein? Je dormirai pas dans une forêt la nuit. C'est vrai? Oh. Pas par peur, mais à cause des sangliers, principalement. C'est vrai? Bah ouais. Les sangliers, ils ont plus peur que toi. Bah ouais, enfin, quand tu dors, s'ils te marchent dessus... Bah si un troupeau passe et qu'ils te roulent dessus, t'es mal, hein. Mais tu fais un feu... T'as déjà dormi la nuit dans une forêt, toi? Je m'en rappelle plus. Non, mais dis la vérité. Bah, dormi, attends, c'est-à-dire... T'as déjà dormi deux nuits dans une forêt, comme ah, ça? Oui. Où? Où, dans quelle forêt? Dans une forêt. Non, mais arrête, jamais. Arrête. Mais si, j'ai déjà dormi dans une forêt. Chut, attention, les voilà. Ah, donc c'est ça, vous êtes ensemble, alors. Ah, nos amoureux qui arrivent. Donc hier, on l'avait senti. Dans la forêt? Au moment de l'humusque. Eh oui, de l'humusque. Au moment du bras. Quand le cerf a bramé, ouais, j'ai dit, ouais. J'ai vu Frédéric, il a changé son visage. L'électricité. Pardon. Et voilà. Et vous, vous êtes vraiment hop dès le matin. Mais salut, vous savez depuis combien d'heures je vous attends, les gars? Écoute, voilà, on se réveille, on sort, on prend l'air, et puis on est bien. Pas une douche, rien, pas lavé, juste les dents. Café? Ah, j'aime bien. Vous avez entendu Olivier ronfler ou pas? Sérieux? Non. Vous avez entendu le ronflement du cerf? Mais ça, c'est dingue, ça, c'est une discussion qu'il y a souvent entre les ronfleurs. C'est-à-dire que. Oui. Parce qu'il me dit, t'as ronflé. Les ronfleurs, je dis, non, accusent les tu autres. As... Non, parce que. Non, moi, je me suis endormi après toi. Et je me suis endormi après toi parce que tu ronflais tellement. Toi, tu t'es endormi en une seconde. Je me suis endormi en une seconde. Mais une seconde, réveillé. Lui. Mais tu m'as réveillé. Et moi, c'est très rare qu'on me réveille. Non, parce que moi, tu m'as empêché de dormir. C'est pire. Mais toi, tu m'as réveillé. C'est quoi le mieux? Et tu m'as réveillé avec une sorte de. Tu sais, d'apnée. Ce n'est pas possible. J'ai été opéré, c'était pas un vrai nez. C'est un nez en plastique que j'ai. Et il est absolument... C'est dommage que tu aies choisi celui-là, d'ailleurs. Ouh, la vanne. Alors, le matin. Tu m'en veux maintenant là. Non, mais putain, alors là, ça me tue. Vous, vous n'imaginez pas que ça pouvait être un choix? Bah non. Enfin, quand on a le choix en général. Tu me donnes une cuillère pour tourner. Pour la confiture.
Donc on disait alors, qu'est-ce qui vous fait vibrer là pour les semaines qui viennent, les mois qui viennent? Alors Natacha, il y a cet album. Il y a l'album, On rappelle le titre de l'album. Qui s'appelle Bonne Nouvelle, qui continue. Et après, y aura une tournée avec trois musiciens qui remplacera la tournée piano-voix qui a bien vécu. Et une tournée de festival que je monte aussi avec 13 musiciens qui, elle, sera pour l'été prochain. Donc beaucoup de boulot, mais des beaux projets. On a envie d'être là. Votre projet, vous me dites si c'est ça, donc c'est dans votre village d'enfance, Manigo, vous allez faire un endroit où vous allez être en autarcie sur quasiment tous les plans, c'est ça? Ce sont vos légumes, vos animaux, même énergétique, même comment vous allez faire? Bien sûr, je me sers de l'écologie, j'ai le système solaire, j'ai de la géothermie. Et donc c'est comme un symbole, quoi. Éolienne. C'est revenir à l'autarcie de votre île. Ça va être comme une petite île. C'est-à-dire que je veux pousser, je pousse un petit peu à l'extrême. Il y a des filles quand même, non? Non, mais je pousse à l'extrême parce que vous savez qu'on reçoit les enfants. On est en autarcie. Et j'ai envie que l'enfant qui arrive dise, mais ce monde, qu'est-ce que c'est que ce monde? Il se pose des questions. Bien sûr qu'on a poussé la machine, mais pourquoi ça existe? Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, c'est important. Et tu sais, j'ai appris une chose avec tous ces incidents de la vie, c'est que ma cuisine demain sera encore meilleure que celle d'hier parce que je comprends encore mieux qu'hier que pour faire de la bonne cuisine, il faut aimer les autres, et très fort. Et quand tu les aimes très fort, ta cuisine est encore très, 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 très forte. C'est vrai qu'il est très animé, Marc, quand il parle. Qu'est-ce qui va se passer en vous si on regarde les premières images de qui a retué Pamela Rose, qui, je le rappelle quand même, va sortir depuis décembre. Et c'est, allez, 10 ans plus tard, Cadet Olivier tel qu'on les a aimés, c'est-à-dire, mais en mieux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Oh non, on dirait pas en mieux. Non, pas en mieux, non. On va pas renier, notre... En plus vieux. Voilà, oui. Plus expérimenté. Donc vous avez ramené chacun votre expérience en plus de tout ce qu'il y avait à l'époque. Oui, et puis surtout, cette fois-ci, on l'a réalisé nous. C'est comme ça la grande différence. Et tu veux, le premier, c'était Eric Lartigot. Et la pression était haute parce qu'Eric avait fait un super boulot sur le vent. Très bon réalisateur. Et nous, on était quand même très, très neuf, très frais, très... À l'époque, on était vraiment des jeunes. On n'avait pas l'expérience qu'on a aujourd'hui. Donc maintenant, on s'est servi de... On s'est lancé à deux et ça a été finalement assez facile, quoi. On avait un peu peur au début, trouver notre place chacun, mais Cad a réalisé un film, moi j'en ai réalisé quelques-uns, donc finalement ça a été... On s'est retrouvés comme aux années comédie à faire des sketchs, sauf que là c'est pas un sketch, c'est un film d'une heure et demie, quoi. D'accord, on va regarder quelques images, je vais nous raconter ce que ça représente pour vous. Ça marche, voilà. Douglas Ripper du FBI. Richard Billet du FBI. Moteur. Excuse-moi. Passez votre... Qu'est-ce qu'il y a? Ce film est loin d'être terminé. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on... Merde. C'est pas vrai. Chouette. Une poursuite. Merde. C'est quoi ça? C'est plus vite. Quoi? Je vais partir. Non, t'es mort pas. On a 47 ans, et regarde ce qu'on est en train de faire. C'est bien, justement. Attention, t'es prêt? Oui. Cette phrase, on a 47 ans, regarde ce qu'on est en train de faire. Exactement. Et qu'est-ce que vous entendez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Justement, que c'est... On reste des gamins, quoi. C'est extraordinaire. Qu'on n'a pas changé, en fait. On a mis des perruques, des moustaches, des... C'est débile, c'est le plus débile possible. On est resté des gamins, quoi. Et qu'on a même à 47 ans, d'ailleurs, depuis, on en a 48. 48, bien sûr. Oh la vache. Et on continuera, je pense qu'on continuera toujours cet état d'esprit. Jusqu'à ce que ça soit vraiment pathétique. Je pense que vers 60, 65 ans, on aura encore les perruques et les moustaches, et là, on dira stop. Honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça. Parce que j'ai envie de le revoir, parce que c'est très riche, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on sent bien que chaque réplique, vous êtes mis la barre très, très haut. Fallait faire rire à chaque réplique. C'est l'humour un peu comme pratiquait Zaz à l'époque. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est vraiment. Il y avait un mot d'ordre, et c'était le mot d'ordre que nous rappelait Julien Rapneau, qui a coécrit avec nous le film. C'est qu'il faut essayer d'être drôle tout le temps. Essayons d'être drôle tout le temps, et qu'à aucun moment dans ce genre de film, il y ait des scènes qui permettent de faire passer autre chose, etc. Non, soyons drôle. Donc on a essayé de faire ça. Qu'est-ce que la vie vous a appris, dans votre expérience personnelle, que vous essayez de transmettre, justement, on parle beaucoup de la transmission, à vos enfants, à tous les gens qui vous parlent, à vos futurs enfants. C'est quoi cette idée que qu'est-ce qu'on a envie de dire de ce qu'on a vécu, qu'est-ce que vous avez appris de la vie que vous avez envie de transmettre à vos enfants pour qu'ils aient une chouette vie, parce que c'est ça qu'on fait, en fait, inconsciemment. Vous leur dites quoi?
personnellement, moi, je reprends le... Commencer une phrase par « je reprends le », et ben derrière, il faut être balèze, non? Là, derrière, il faut avoir « waouh, waouh, waouh », je recommence. Je reprends le... Je reprends, non. Les dimensions m'ont donné mes parents. Oui, non, voilà. J'essaye d'inculquer le mérite voilà. Dans la vie. Quand on voit avec quelle facilité on accède à la célébrité de sans mérite, sans tout, c'est là aussi quelque chose d'assez trouble pour les gens. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Et continuer à inculquer la notion de mérite au travail. Le travail, en fait. Mais sans parler de travail. Nous, on n'a pas l'impression de travailler, tu sais bien ce que je veux dire. Mais ça se. Voilà. Essayer de continuer à. On est des privilégiés, on est des passionnés. Comme dit Olivier, que tout ça, on arrive là parce qu'il y a eu. Une progression. Du travail. Parce qu'on a bossé avant. Passion. C'est juste ça, le rappeler à chaque fois. Et moi, je dis souvent à mon fils, là, je lui ai dit il n'y a pas longtemps que pour des petits boulots, on en a parlé, j'ai été DJ. Il était scié. Mais scié. Parce qu'en ce moment, il est en sa période musicale. Donc il était si t'as été DJ. Donc lui il voit son il père comme fier. David Guetta, tu vois. Il était méga et d'ailleurs, et d'ailleurs, si vous regardez bien, ouais, regarde. On dirait Cathy Guetta. C'est Cathy Guetta. Mais voilà, non, mais c'est juste lui rappeler ça, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et puis faire attention à l'argent de poche, tout ça. Enfin voilà, quoi. Là, qu'il est quoi, qu'il est, c'est 2000 euros par mois et puis voilà. Autonome, tu vois, non. Moi, ce que je voudrais apprendre à mes enfants, c'est ce que mes parents m'ont donné de plus cher, je pense. Ma mère, elle m'a toujours dit, la seule personne que tu choisis, c'est ton conjoint, et c'est la personne avec laquelle tu vas passer le plus de temps dans ta ça vie. Ça dépend. On espère. Des fois, c'est très raccourci. Hein. Oui, c'est ça. Et du coup, choisis bien cette personne-là pour être sûr d'être bien et de rire au moins une fois par jour. Du coup, tout le reste pourra passer. Et vous, qu'est-ce que vous transmettez? Vous transmettez beaucoup autour de vous, à tous les gens qui travaillent avec vous. L'humus, tout le mais temps. Mais à votre fille, qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre pour l'existence, c'est-à-dire que l'existence qu'elle allait passer? Il y a une chose, c'est bien sûr que mes parents m'ont transmise, qui... Ben, je rejoins ce que vous disiez, c'est que si tu veux, tu reçois une éducation que tu essayes de retransmettre à tes enfants. Nous, c'était les valeurs du travail. C'était le respect de l'autre. Et c'était l'amour, avec un grand A. Il nous garde le suspense avec toutes ces petites pauses comme ça. Oui, oui, bah oui, il fait les pauses. On dirait, on va t'engager pour faire des bonnes annonces de films. Tu seras très fort. Ah ouais. Pamela Rose. Qui? Ah. Parce que les jeunes. Non, laisse Marc, ça c'est autre chose. Pardon. Oui. Parce que les jeunes. Bon, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous fassiez une petite signature là sur. Sur quoi? Sur une photo qu'on a fait pendant le week-end. Il faut qu'on se lève. On va voir mon jogging pourri. On y va? On bouge. On bouge, les amigos. Notre photo. Venez voir les garçons. On est beau. Ah, super. C'est bien ça. Ah, c'est cool, classe. Hein. On pourra en avoir des copies. Ouais. On aura une. Ah, ouais. Et c'est celle-là qu'il faut signer. Oh là 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 là. Ah, tu signes seulement. Le monsieur qui ne peut pas trouver un petit mot, il se dit qu'est-ce que je pourrais mettre. Je vais mettre la même chose que Natacha, 24 heures de vérité. Ouais, c'est ça écrit, ça, 24 heures de vérité. Puis après, tu dis 24 heures de magie. Voilà, ça, c'est bien, ça. On a signé. Bisous, Natacha. Tu vas mettre 25 heures, toi. Non, à toi, Cade. Signez, mes enfants. Mon Dieu. Vive le Québec libre, non. Vive les jeunes, merci. Vive les jeunes, c'est une parodie. Ah, c'est un hommage. C'est un hommage. Allez. Je vous aime très fort. Oh. C'est la signature, ça? Elle est belle, sa signature. Quelque chose. Non. C'est beau la signature de Marc, c'est lui qui fait le plus beau truc, c'est très artistique sur la photo. Mais attends, t'es dégueulasse. Mais c'est vrai, il a signé tout en linéaire, tout beau. Un grand moment rempli de petits moments. Tu l'as piqué à qui ça? Je l'ai piqué à Michel Thor. Non, je sais pas. Merci pour ce week-end. J'ai l'impression d'avoir vécu un week-end, d'avoir vraiment décroché. Attends, j'étais pas venu avec un piano, moi. Ah, excusez-moi, j'ai oublié mon piano. Ah, j'aime quand tu ris, Natacha. Je descends dans la barque et vous me passez les bagages. Tiens. Hop là. Elles repartent pas, les trucs. Tu les as mangés. Ça, il fallait. Bon, à bientôt. Allez, allez.
Marc, merci. Merci, Fred. Merci pour tout. Je n'oublierai jamais. Tu tiens là, il y a une c'est qui rame. Oh, bah, c'est vas-y, K, tu rames bien. Je vais ramer, moi. Tu rames. Grand rameur, moi. J'ai zéro confiance avec ces mecs. La 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 la. Arrête, 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 arrête. J'arrête, j'arrête. Regarde, ah, il a le beau rôle. Oh, le man. Oh, man. I'm a man. Oh, good. Every time, amen. Tu sais, on repart de Louisiane, là. Merci. On a pas envie de merci partir, beaucoup. Hein. Vive l'humus. Vive l'humus. Rame avec ta droite. Oh, là, il y a un accident. Non, pas du tout, regardez. Contrôle de la lumière. De la lumière. Ouh, un peu avec ta gauche. Je connais rien non plus. Ça, c'est du thym. Ouais. C'est du thym. Hein. Ouais, absolument. Thym. Côté, c'est de la baliverne. Ça. Des rocamadours. Du sèvrefeuille. Le cinéma, jamais de la vie. La télévision, jamais de la vie. Je n'ai pas ça en tête, etc. Et... Bah, t'as pas de physique, surtout. Voilà, en plus. Oh, Marc, du Brésil, futebol, anel. Oh là là, que dingue. Marc Véran au Brésil, c'est énorme. C'est le Ronaldo de la cuisine, alors. Non, mais allez, on parle autre chose. Elle est gênée, Marc. Et ce mariage du chocolat, de la pomme de terre et de la truffe. C'est super. C'est très, très incroyable, hein. C'est très, très bon. Bravo. T'as vu que ça excite les papilles. Il y a ici quelqu'un qui empêche le brame du cerf. On mange du cœur et d'agneau.